La passerelle était silencieuse, le sol jonché de corps mutilés, aussi bien ceux des humains que des peaux vertes. Ces derniers les avaient abordés après une bataille spatiale d'une intensité suffisante pour alimenter la plus épique des sagas. Pantelant et haletant, la silhouette voûtée d'un orc imposant observait avec un œil circonspect le cadavre de l'officier impérial à ses pieds. Il arracha sans même un grognement de douleur le sabre d'apparat planté dans son flanc et le jeta sur le sol en l'éclaboussant de son sang noir et épais. Comme un contraste saisissant à l'ambiance pesante de cette scène figée, une petite voyille résonna au milieu des cadavres. Une petite créature à la peau vert pâle et au front barré d'un bandana rouge rampé de corps en corps, fouillant les dépouilles en fredonnant d'un air joyeux. « La 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 » Ta gueule, pourquoi tu craches l'ours, te meuglante ? Désolé boss, c'est l'ambiance, je peux pas m'en empêcher. La créature chétive se faufila entre les cadavres et s'approcha de l'officier mort en face de l'orque massif. Ses mains commencèrent à farfouiller sous les apparats tachés de sang de l'impérial, mais il fut interrompu d'un coup de pied violent de son boss, ce qui lui arracha un couinement plaintif. L'orque continuait de souffler bruyamment, en fixant le corps inanimé de ce qui avait été un adversaire valeureux, en tout cas aussi valeureux que pouvait l'être un être humain aux yeux d'un peau verte. Cet homme était vachement plus balèze que les autres, c'est pas normal, il devait cacher un truc. La voix de l'orque était incertaine, comme si l'idée d'un être humain pouvant lui tenir tête était un concept si ridicule qu'il ne pouvait même pas l'imaginer. Le gros hagard rampa vers lui à nouveau en frottant ses côtes endolories. Il devait sans doute avoir un secret, un artefact ou un truc de Zarboy. La pathétique créature fit mine d'étudier le corps sans vie, tout en le fouillant à nouveau discrètement, chapardant les quelques babioles brillantes accrochées à l'uniforme du malheureux. Cette fois-ci, le boss orque ne scia pas et massa sa mâchoire proéminente dans une posture d'intense réflexion, peu commune chez ceux de sa race. « Il va avoir un objet magique ou un gadget de Zarboy, c'est pas possible sinon qu'un pauvre homme chétif comme ça ait pu craser autant de boys. » « Ouais boss, vous êtes trop malin boss, les hommes il faut pas un pli normalement. » L'orque inspecta les environs en se grattant la tête avec un air de circonspection semblant être peu coutumier de son cerveau atrophié. Il cherchait des données pour nourrir son difficile travail intellectuel. « Faudrait y voir s'il n'y avait pas un truc que Zom il avait et que les autres hommes ils avaient pas. »« Silence Nabo, je réfléchis. » L'orque plissa les yeux en observant son ancien ennemi à présent allégé de tous ses insignes d'officier. Il frappa à nouveau du pied le Gretchen, plus par principe que par animosité, mais avec moins de violence cependant. Si tant est que quelque chose puisse ne pas être violent venant d'un orque. Ça doit être un truc qu'il avait et que les autres hommes ils avaient pas. Le Gretchen grogna de douleur en se relevant, ne s'offusquant pas que son seigneur lui vole encore sa réflexion, et le félicitant même pour sa déduction. Vous en avez dans la caboche, boss. C'est pour ça que c'est moi le boss, et pas toi, avorton. La créature musculeuse planta son petit coupe dans l'acier de la passerelle, en se penchant avant d'attraper le tricorne usé qui ornait le crâne de l'humain à ses pieds. Il étudia le couvre-chef avec une concentration qui lui demanda un effort surhumain, puis il cracha. « Ça doit être ce drôle de chapeau, là, c'est le seul que je vois que les autres ils ont pas. »« Ouais, boss, connu, plus le chapeau il est grand, plus les hommes ils sont costauds, c'est Craig qui me l'a dit. »« Ah, enfin je veux dire, je le savais déjà, je suis le boss, je sais tout. » L'orque frappa à nouveau en direction du grotte qui s'esquiva, peu amène à l'idée de prendre un nouveau coup de semelle dans l'estomac. Après avoir mis une distance de sécurité avec son maître, la créature insignifiante siffla à bonne distance. « T'avais qu'à essayer de le mettre, boss. Si vous êtes déjà le plus fort, peut-être que vous serez encore plus le plus fort, boss !» Le monstre de muscles verts éclata d'un rire tonitruant, dont le grondement se répercuta sur toute la passerelle. Il arracha son qui-coupe du sol et enfourna son nouvel atour sur son crâne couvert de cicatrices, non sans exprimer un sentiment intense de fierté et d'orgueil. « Ouais, avec ce chapeau, je suis invincible. Je vais tout craser et piller. »« Ouais, vive vous, boss Harlock !»« Non, je suis plus le boss Harlock. Maintenant, je suis le capitaine Harlock. » La navette Manta se détacha du Kor'vattra pour se diriger vers la surface de la planète. Les bâtiments élancés et rayonnants de Bork'an défilaient sous eux, tandis qu'ils approchaient de la cité académique de Quickstrike. Le corps Orvège suivait son cours malgré l'ouverture de la Grande Faille et la fracture de la galaxie. Un événement que les scientifiques Tau avaient assimilé à une conséquence de leur toute nouvelle technologie de voyage supraluminique, inspirée de celle des Gue'la de l'Imperium. Mais Fiogalis Bork'an Chova était persuadé que les implications concernant l'apparition de cette blessure béante dans la réalité étaient plus profondes que celles du peuple Tau. La femme assise à ses côtés l'interpella alors, le sortant de sa rêverie. « Chova, tu sembles encore t'être perdu. Excuse-moi, Tal, mon esprit vagabondait. » Fio'keter'kwan Bork'an Talissera, souvent appelé Tal, était un officier de communication et une scientifique douée qui avait fait montre de ses talents de nombreuses fois durant les dernières sphères d'extension Tau. Mais pour Chova, c'était avant tout une amie sur qui il pouvait toujours compter. « Et que t'ont apporté tes pérégrinations mentales cette fois-ci » Essentiellement des questions. « T'es un scientifique, ton travail c'est pas plutôt de trouver des réponses ?» Pour trouver une réponse, il faut toujours commencer par une question. Mais je me disais simplement que notre peuple est parfois un peu trop arrogant pour se poser les bonnes questions. Talissera plissa les yeux et son visage bleu se força dans une moue de désapprobation. Elle était habituée aux idées marginales de Chova, mais l'entendre n'était jamais facile malgré sa tempérance. « Que veux-tu dire ? Depuis combien de temps sommes-nous des acteurs de la galaxie ? Moins de 2000 cycles. Ce n'est rien comparé aux autres races stellaires. » Nous rampions encore dans la fange et les éthérés n'existaient pas que certaines bataillaient déjà pour le contrôle des étoiles. Oui, et en 2000 cycles, nous sommes parvenus à dépasser ces peuples barbares par le rayonnement de notre civilisation et celui du bien suprême. Combien ont rallié notre cause depuis que le premier Kor'vattra a quitté Tône? Tu as peut-être raison, mais combien nous ont également rejoints par la force des armes? Je ne peux m'empêcher de penser que nous avons quelque chose à apprendre des peuples avec plus d'expérience que nous. Quelque chose que nous ne pourrons pas obtenir en les combattant. La galaxie est un endroit peu propice à la discussion, Chova. Nombreuses sont les races ne vivant que pour et par la guerre. Si c'est ainsi qu'ils veulent communiquer, qui es-tu pour les juger? N'est-ce pas toi qui dis qu'il est toujours plus respectueux d'utiliser la langue de son interlocuteur? Chova ricana face à la logique irréfutable de son ami, mais son rire était loin d'être joyeux. Il y avait une sorte d'amertume en lui, une sorte d'acceptation maussade d'une réalité peu réjouissante. La femme lui tapa sur l'épaule pour le réconforter. « Écoute, tu as découvert un monde mort rempli de technologie Gue'la. Et nous avons même réussi à mettre la main sur des dizaines de ces Gue'ron'sha, dont certains étaient encore vivants et en stase. Si tu étais moins marginal, tu aurais déjà reçu un nom plus prestigieux que Chova. » Si plus de monde s'appelait Chova, peut-être que notre civilisation serait moins encline à s'approprier des choses dangereuses qu'elle ne comprend pas. La sueur perlait sur son front pâle couvert de cicatrices. La tension était palpable, clairement visible sur ses traits barrés par la concentration. Xerxes se demanda un instant comment son défunt frère aurait géré cette situation. Sans doute bien mieux que lui, Artaxerxes avait toujours été le meilleur dans tout ce qu'il entreprenait. Un fait qui rendait sa mort encore plus difficile à encaisser malgré le passage des années. Les mains du Space Marine tremblèrent un instant, tandis qu'il rassemblait son courage pour effectuer la tâche qu'il s'était donnée pour défi d'accomplir. Mais au dernier moment, une petite main se posa sur le canon d'avant-bras de son armure énergétique pour l'interrompre. « Vous n'êtes pas obligé de vous forcer, sergent. Je vois bien que vous êtes mal à l'aise. » Xerxes se relâcha dans un soupir et observa le nourrisson sur la table devant lui, les fesses posées sur le linge propre que l'Astartes s'apprêtait à lui enfiler. Linda esquissa un sourire, puis le rire de Craig retentit depuis le fond de la pièce. « J'ai gagné mon pari, sergent. Il y a une chose que je sais faire et dont vous êtes incapable. » Le Space Marine eut une moue de désapprobation et leva un doigt réprobateur vers son agent humain. « Je suis parfaitement capable de le faire. C'est simplement que le matériel est de mauvaise qualité. Ça entrave mes compétences surhumaines. » « Eh bien, j'imagine que le concepteur de ces couches n'aurait jamais imaginé recevoir telle critique venant d'un Astartes. » Craig éclata à nouveau de rire devant la mauvaise foi assumée de son sergent, puis il se leva pour aller finir de changer son fils. L'enfant était né officiellement un peu moins de 2 ans après la campagne de Vars, mais la notion de temps dans la galaxie avait été pour le moins chamboulée par l'ouverture récente de la Grande Faille, et de fait, ce qui pouvait paraître pour quelques années sur un monde pouvait paraître pour des siècles sur un autre, en particulier du côté de l'Imperium Nihilus, où même la lumière de l'Astronomica ne pouvait percer les ténèbres de la Noctis Aeternae, et où la brisure de la réalité causée par la fusion du Warp et du Materium était la plus vivace. L'enfant, né sous ses augures peu engageants, avait été nommé Arta, en hommage au feu sergent Artaxerxes. Le bébé, inconscient du contexte incertain de sa naissance, gazouilla, tandis que le Comvox de Xerxes bipa dans une tonalité neutre. Il y eut un échange fugace, puis le Space Marine se tourna vers le couple d'humains à ses côtés. « Le capitaine demande à ce qu'on le rejoigne sur le pont. C'est une urgence ? Comme toujours. Les couloirs de l'académie Quickstrike étaient bordés d'une douce lumière blafarde qui apaisait les yeux de Chova. Le taux avait troqué sa combinaison d'exploration pour sa blouse de laboratoire et se dirigea vers l'endroit où il avait été appelé. Il présenta sommairement son badge d'accès aux deux guerriers de feu imposants qui montaient la garde, puis traversa le sas blindé qui se referma derrière lui. Tal était déjà présente, ainsi que plusieurs autres scientifiques. Le sarcophage de confinement transparent au milieu de la pièce laissait entrevoir l'imposante masse de ce qui ressemblait vaguement à une exo-armure. « Vous avez du nouveau ?» L'un des scientifiques Tau examina quelques données sur une tablette avant de l'attendre à Chova en guise de réponse. Ce dernier lut à haute voix le compte-rendu, plus pour lui-même que pour l'assemblée, déjà au fait de ces informations. « Voyons voir. L'armure Gue'la s'est réactivée suite à l'injection d'un échantillon de sang de Gue'ron'sha. Elle semble également réagir à son environnement de manière succincte et présente une forte sensibilité aux stimuli sensoriels. Je vois, un peu comme une sorte de peau artificielle. Une activité semblable à une IA sommaire a également été détectée. » Chova hésita quelques instants, observant l'armure grise couverte de rouille et de dégâts résiduels causés aussi bien par le temps que par la guerre. « Est-ce que vous êtes parvenu à communiquer avec cette IA ?» « Non, elle est codée dans un langage que nous ne comprenons que de manière extrêmement parcellaire. Et surtout, elle est particulièrement hostile. C'est également le cas pour les autres. » « Vous en avez réactivé d'autres ?» « Oui, c'est exact. Nous sommes parvenus à réactiver plusieurs de ces armures, malgré le fait que la datation établit certaines comme étant vieilles de plusieurs milliers d'années. » « Comment est-ce possible? Elles semblent avoir moins de 100 ans et les corps retrouvés sur place ne paraissaient pas avoir plus d'un demi-cycle. Ces armures sont-elles réellement aussi anciennes ?» Chova réprima un sentiment de vertige à l'idée d'une technologie suffisamment vieille pour avoir connu le temps où les Tau n'étaient que de simples sauvages arriérés vivant de la chasse et de la cueillette et ignorant tout de la notion de civilisation ou de bien suprême. Tal le coupa dans son effarement muet. « Pas tout à fait. Ces armures ne sont pas homogènes. Plusieurs d'entre elles sont composites et présentent des pièces provenant clairement d'origines différentes. » On constate aussi des restaurations graduelles, suffisantes pour brouiller la datation de certaines pièces, en particulier celles des plus ornementées, comme les casques. Tal accentua son propos en tapant du dos de la main contre la paroi transparente du sarcophage, pointant dans la direction d'un casque suffisamment grand pour y mettre deux têtes de taupe. L'objet était richement serti de symboles et de décorations baroques, typiques de la culture Gue'la. Et qu'en est-il des Gue'ron'sha ? Ils sont toujours maintenus en stase, et de fait nous éprouvons des difficultés à obtenir des échantillons conséquents de tissus à cause de ce mucus étanche qui recouvre ceux qui présentent encore des signes vitaux. Chova se souvenait de cela, les créatures qu'ils avaient découvertes sur ce monde éteint étaient pour la plupart mortes depuis un temps plus long que l'espérance de vie d'un Tau, ou du moins visuellement, car les données d'analyse présentaient toutes des informations contradictoires. Malgré cela, certaines créatures présentaient encore une faible activité biologique, et celle-là était entièrement recouverte d'une substance gélatineuse extrêmement résistante qui semblait les maintenir dans un état de vie suspendu. Un fait étrange qui s'ajoutait aux autres incohérences et qui rendait encore plus compliquée la datation des spécimens. C'était une des raisons pour laquelle ils avaient été transférés sur Bork'an. La cité académique de Quickstrike possédait un équipement de pointe bien plus adapté et performant que celui de leur petit groupe expéditionnaire. Chova eut une sorte de mauvais pressentiment en observant l'armure et les données indiquant sa profonde hostilité envers eux. Il grimaça et se tourna vers Tal. « J'aimerais qu'on mette en pause les tentatives de déconfiner les sujets de leur mucus. » Tal écarquilla les yeux de surprise, puis elle acéra son regard, s'opposant clairement à son ami, tandis que les autres Tau présents étaient plongés dans l'incompréhension. « Nous avons ramené ces Gue'ron'sha sur Bork'an pour pouvoir retirer ce mucus. Pourquoi devrions-nous attendre maintenant que nous en avons les moyens ?» « J'ai le sentiment qu'un danger pourrait survenir si nous sortons ces créatures de leur stase prématurément. Je préfère que nous effectuions des examens préliminaires supplémentaires. »« Je vois pas de quoi tu as peur. Ils sont désarmés et en confinement. Et on ne peut pas ralentir le programme de recherche sur un simple sentiment. Le commandeur Odahu attend de nous des résultats, ou alors nous risquons de perdre le budget. » Le scientifique incertain continua d'étudier la tablette de données devant lui avec un regard inquiet. Il ne savait que trop bien la puissance que pouvait déployer un Gue'ron'sha. La guerre du golfe de Damoclès avait été une douloureuse manière de le découvrir pour le peuple Tau. Un seul de ces monstres était capable de terrasser des dizaines de guerriers de feu, et même d'abattre des exo-armures blindées. Tal, même sans armure et sans armes, ces créatures n'en restent pas moins créées pour la guerre. Je refuse de mettre la vie de mes collègues en danger en prenant le risque de les réveiller sans un examen préliminaire approfondi, ni sans la certitude absolue que nous pourrons les contrôler. Talissera détourna les yeux dans une expression de culpabilité qui arracha une grimace inquiète à Chova. Elle serra les poings et balbutia. « Je suis désolé, Chova. »« Comment ça ?»« Le commandement était si pressant et... » Elle n'eut pas l'occasion de terminer sa phrase, car une alarme sonore se mit alors à tonner dans le laboratoire. passerelle du gigantesque agglomérat de tôle que ses propriétaires orques appelaient avec fierté un vaisseau était saturée par les cris des peaux vertes et par le tintamarre du métal et des explosions. Un arc électrique manqua de peu de frapper Harlock, tandis qu'un condensateur rouillé explosait dans une gerbe d'étincelles à côté de lui. Il n'y prêta même pas attention et frappa derrière la nuque l'un des boys occupé à resserrer quelques mécanismes obscurs. « Bougez-vous, tac feu néant! Je veux que l'organiation chez les bleus avant que je commence à m'ennuyer !» Harlock avait souvenir d'une WAG de sa jeunesse, à une époque où il n'était qu'un boys parmi d'autres. La baston avait été terrible et les orques avaient subi de très lourdes pertes contre des ennemis pourtant poltrons au point d'éviter systématiquement le corps à corps. Les peaux vertes avaient été repoussées en dehors du système, à grand renfort de canons à bleus et de grosses boîtes qui tuent volantes. Des armes particulièrement nulles du point de vue d'un orc, et qui ne faisaient même pas autant de bruit qu'un flingue. Elles avaient pourtant fait des ravages dans leurs rangs. Mais comme le disait le vieil adage, les orcs ne perdent jamais une bataille. S'ils meurent, ils meurent, et s'ils meurent pas, ils peuvent revenir pour se battre. Harlock était de fait plutôt traditionaliste, il aimait les choses simples et établies. Raison pour laquelle il se faisait une joie de profiter de l'acquisition de son nouvel artefact de Zom pour respecter cet adage et aller écraser les bleus qui avaient échoué à le tuer à l'époque et qui, d'une certaine manière, n'avaient fait que le rendre encore plus balèze. Une série de grappins furent tirés depuis les batteries d'armes hétéroclites de l'Orcadia avant d'aller se ficher dans la masse encore plus imposante d'un Space Hulk. Il fut imité par de nombreux autres croiseurs et vaisseaux d'attaque, puis, quand la toile de câble d'acier dense fut achevée, la réalité commença à se distordre autour du Space Hulk qui fut happé dans la déchirure du Materium ainsi produite. Plusieurs navires furent simplement disloqués par l'inertie quand le Titan spatial les entraîna dans son sillage. Mais les plus gros vaisseaux tinrent le choc et la flotte disparut dans le Warp, laissant un mélange notable d'épaves et de déchets derrière elle. L'Epsilon était silencieux et calme, présentant une ambiance presque mortuaire. Un fait qui n'était pas loin de la réalité, car malgré la récupération du Sangueminus Portum lors de la campagne de Vars, l'absence d'expertise et d'installation avait rendu presque impossible la création de nouveaux Astartes pour remplacer les terribles pertes occasionnées par l'attaque de la flotte ruche Carib 10, presque une décennie plus tôt. L'assaut des tyrannides avait sonné le glas du monde forteresse de la 13e compagnie, et par un enchaînement de causalités, il avait également brisé toute la toile d'information de l'Alpha Légion dans ce secteur. De fait, moins d'une centaine de Space Marines avaient survécu à ce carnage, soit moins d'un dixième de leurs effectifs d'origine. Le constat était encore plus dramatique du point de vue des agents humains et des civils présents sur Ibren 4 à l'époque, et dont les pertes s'élevaient à plus d'1 milliard d'âmes. Avec des rangs aussi clairsemés, il n'y avait même pas de quoi entretenir l'Epsilon, et il n'était pas rare de traverser les corridors usés de la barge de bataille sans croiser la moindre personne. Un fait que Darius constata avec amertume, tandis qu'il se dirigeait vers le pont de son navire amiral. Il se posta devant le sas d'accès et actionna la manette permettant de l'ouvrir. Sans succès, il réitéra l'opération dans un grognement, appuyant son mouvement avec force pour activer le mécanisme qui se dégrippa enfin. Le capitaine entra alors sur le pont, où un peu plus de personnel était présent. « Il faudra dépêcher une équipe pour la maintenance des sas. » La voix monotone d'un serviteur se fit alors entendre, tandis qu'il notait la demande sur une liste déjà bien trop longue. « Cette demande a déjà été formulée il y a 23 rotations. Dois-je modifier son niveau de priorité ?»« Non, oublie ça. » Darius grimaça et se posa sur son trône de commandement avec une lassitude perceptible. L'Epsilon tombait littéralement en ruine. C'était un miracle que ce navire antédiluvien soit encore en état de voler, malgré le défaut de maintenance et les dégâts accumulés ces dernières années. Il ferma les yeux et tenta de retrouver un semblant de sérénité, quand, après une percussion métallique sourde, le sas s'ouvrit à nouveau, laissant apparaître Xerxes, Craig et Linda. « Je vous avais dit qu'il fallait laisser ce sas ouvert, un jour il s'ouvrira plus. En cas de décompression, vous seriez bien content qu'il reste fermé, sergent. » Xerxes ne répondit pas à la répartie de sa subordonnée et effectua un salut militaire sommaire devant Darius. Ce dernier lui renvoya ses salutations d'un hochement discret de la tête. Le sergent se détendit alors et demanda « Vous nous avez fait venir, capitaine ?»« Oui, Xénophon ne devrait pas tarder à arriver avec de plus amples détails sur la raison de cette réunion. »« J'espère que c'est une vraie mission de combat pour changer. J'en ai assez des missions de réapprovisionnement. Piller des avant-postes civils comme un pirate, c'est pas trop l'idée que je me faisais de la longue guerre. » Darius réprima une expression courroucée à cette mention. Il ne pouvait pas le nier. Depuis combien de temps n'avait-il pas attaqué l'Imperium ? Depuis combien de temps n'avait-il pas agi d'une manière ou d'une autre pour le grand dessein ? Il soupira en fermant ses yeux cernés par la fatigue et les problèmes. « Nous n'avons pas le choix, nos effectifs sont dans un état critique. Ce qui était autrefois la tâche de nos agents humains doit être partagé entre nous tous pour assurer notre survie. »« Sauf votre respect, capitaine, à quoi bon survivre si on peut plus se battre ? Nous étions déjà au plus mal après Ibren, mais tout ce qui a suivi n'a fait que nous affaiblir davantage. » Darius perçut à la gestuelle de son ami ce qu'il sous-entendait. Xerxes ne parlait pas uniquement de ce qu'ils avaient perdu en tant que force militaire. Son regard fuyant se destinait à Artaxerxes. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Xénophon qui entra sur le pont. « Ah Xen, t'en as mis du temps, j'ai eu peur que tu te sois perdu. »« Je ne me perds jamais, sergent, contrairement à d'autres. » Le Space Marine austère s'avança, puis après avoir présenté ses respects à Darius, il intégra une bobine mémorielle dans le cogitateur au centre de la pièce. Il y eut quelques crachotements mécaniques, puis une série de données de localisation apparurent sur l'holosphère de la table de commandement. Xerxes avança vers sa dernière en s'attrapant le menton et en étudiant les différents points affichés. « Ce sont des coordonnées de l'Ultima Segmentum, non? On va faire du tourisme ?» Darius observa lui aussi les données avec attention, mais il se retint de tout commentaire. De fait, ce fut Craig qui intervint pour dire tout haut ce qui avait également attiré la curiosité du capitaine. « Là, ce sont pas les coordonnées de Vars 6QC, c'est là que le sergent... » Il s'interrompit en voyant le regard de Xerxes qui s'était assombri quand il avait à son tour reconnu la planète où son frère était mort. Xénophon acheva d'entrer quelques informations supplémentaires avant de s'éclaircir la gorge et de parler. Notre réseau d'informations est extrêmement parcellaire, mais nous avons reçu une série de rapports étranges. Il appuya sur une touche et l'holosphère effectua un zoom sur Vars 6QC. Plusieurs clichés venaient compléter les informations défilantes à côté de la représentation spatiale de la planète. Xénophon pointa plusieurs du doigt. Ces derniers semblaient montrer ce qui ressemblait à une sorte de groupe expéditionnaire composé de créatures hétéroclites, dont la majorité paraissait appartenir à la race des Tau'va. Des humanoïdes chétifs à la peau bleue et à la technologie particulièrement avancée. Il semblerait que les Tau'va se soient rendus dans les ruines de Pida Prima. Ils sont restés plusieurs jours, on n'a pas pu déterminer ce qu'ils faisaient là. Ils n'ont pas dû trouver grand chose d'intéressant. Vars 6QC a été presque entièrement détruite par les Red Scorpions. C'est un monde mort. C'est ce qu'on a d'abord pensé, mais il s'est avéré qu'ils ont embarqué une quantité non négligeable de matériel récupéré sur place. Du matériel? Quel genre de matériel? Nous l'ignorions, en tout cas jusqu'à récemment. Xénophon pianota à nouveau sur quelques touches, et le visuel d'une planète inconnue apparut, identifiée sous la vieille nomenclature impériale de Poktroun, mais disposant également d'un nom alternatif, plus récent, et semblant être écrit dans la langue des Tau'va. Le logisticien observa l'assemblée avec gravité, avant de pointer cette planète de la main et d'annoncer. La balise de l'armure du sergent Artaxerxes a été réactivée sur cette planète il y a environ 2 mois. Nous n'en savons pas plus. La salle de confinement était saccagée. Les corps avaient été retirés depuis un moment, mais on pouvait encore voir les traces de sang attestant de la violence du combat, ou plutôt du massacre. Le matériel n'avait pas été épargné non plus, et le sas blindé de la pièce était tordu d'une manière explicite montrant la puissance du Gue'ron'sha. Chova n'affichait pourtant aucune émotion, analysant froidement les conséquences de l'imprudence de ses supérieurs. Il n'en voulait pas non plus à Tal. Il savait qu'en ces temps incertains, la caste du feu avait un pouvoir conséquent. Et ce, même si la doctrine du Tau'va impliquait une égalité entre les castes. Encore une incohérence de ce bien suprême que son peuple radotait constamment comme une excuse pour tout ce qu'il faisait, en bien ou en mal. La voix gutturale de Yorok résonna alors derrière lui. « Nous sommes là, à votre demande. » Chova se retourna pour saisir visuellement la présence imposante du Kroot. Yorok était le mentor de sa tribu, l'un de ceux qui savent reconnaître la chair dans la tradition des habitants de pêche. Il avait aussi la particularité d'être particulièrement musculeux et grand, là où les autres membres de sa race étaient habituellement de constitution sèche et tendineuse. « Bonjour Yorok, je t'ai fait venir car j'ai besoin de tes compétences particulières. » Le Kroot s'inclina respectueusement, attendant les ordres de son maître. Son peuple avait contracté une dette éternelle envers les Tau'va quand ces derniers avaient sauvé leur monde d'une invasion orque. Les siens avaient alors juré allégeance à Tau'va et à la cause des éthérés, et il faisait partie des auxiliaires les plus profondément intégrés à la société Tau'va. Même si en vérité une certaine forme de répugnance et de discrimination restait palpable dans la population, pour beaucoup, encore aujourd'hui, les races auxiliaires n'étaient que des esclaves, un sentiment qui n'était pas partagé par Chova. « Relève la tête, Yorok, nul besoin de respecter le protocole avec moi, tu le sais bien. » La créature massive se redressa, affichant une expression indiscernable sur ses traits aviens. Chova congédia alors les autres taux présents dans la pièce, sous le regard neutre de Yorok. Une fois qu'ils furent seuls, le scientifique reprit la parole. « J'aimerais que tu goûtes la chair de ce Gue'ron'sha. » « C'est un tabou. Nous ne consommons pas la chair des Gue'la. Ils sont souillés. » Yorok avait parlé d'un ton ferme mais calme, plus de manière descriptive que véritablement outré par la demande. Il était habitué à travailler avec Chova, et de fait il connaissait la propension de ce dernier à sortir des clous. Cela ne le dérangeait pas outre mesure, Chova l'avait toujours traité avec respect malgré son rang d'auxiliaire. Ce qui n'était pas forcément le cas des autres taux. « Je sais que ton peuple craint la souillure de l'autre plan, mais ces Gue'ron'sha n'étaient pas atteints, ce ne sont que des Gue'la ordinaires. » Il n'existe aucun moyen d'en être sûr, même les Space Marines peuvent subir la corruption. C'est la raison de ce tabou. Mais par respect pour votre bienveillance, nous allons prendre ce risque. Chova hocha de la tête, puis tendit une fiole contenant un échantillon prélevé sur le Gue'ron'sha, peu avant qu'il ne s'échappe. Le Kroot agrippa celle-ci de ses doigts filandreux, et après l'avoir ouvert, il avala le morceau de viande dans une saccade de la gorge et un basculement du crâne semblable à celui d'un oiseau de proie. Le scientifique de la caste de la Terre attendit patiemment, tandis que Yorok fermait les yeux pour se concentrer sur ce qu'il ressentait. Les Kroot étaient victimes d'une instabilité génétique, faisant qu'ils assimilaient le génome de ce qu'ils consommaient, les transformant petit à petit en ce qu'ils mangeaient. Il n'y avait bien sûr pas assez de matière ici pour provoquer de tels changements chez Yorok, et il lui aurait fallu plusieurs semaines à ne consommer que de la chair d'Astartes pour commencer à en acquérir les traits. Mais les mentors comme lui étaient cependant dotés d'une capacité à analyser la nourriture et les traits qu'elle pouvait fournir, permettant ainsi de choisir ce que sa tribu devait consommer et ainsi préserver sa stabilité génétique. Mais dans le cas présent, Chova cherchait simplement à obtenir un maximum d'informations sur le fuyard. Il est puissant et instable. Ce n'est pas la souillure, c'est autre chose. C'est tout ce que tu peux m'en dire ? Qu'en est-il de sa biologie? Que va-t-il chercher à faire maintenant qu'il est libre? Se nourrir. Il ne reconnaissait rien, il ne savait rien. Tout autour de lui n'était qu'un tourbillon d'incompréhension, mais il ressentait, il percevait avec force la faim et la soif, la douleur lancinante d'un puissant métabolisme nécessitant d'être alimenté. Il se faufila dans une ruelle comme une ombre, plus par instinct que par une quelconque réflexion stratégique. Puis il escalada un petit promontoire bruyant dont il ignorait la fonction, mais qui lui permettait d'obtenir une position surélevée et discrète. Il vit alors sa proie, une créature bleue marchant dans la ruelle isolée et concentrée sur un petit objet lumineux. Une créature similaire à celle qu'il avait tuée avant. La salive commença à couler de ses babines. De nombreux guerriers de feu établissaient un périmètre autour du laboratoire, empêchant la foule curieuse de s'approcher du petit groupe à l'entrée de l'académie. La gestuelle du commandeur trahissait sa répulsion pour la créature barbare se tenant aux côtés de Chova, son exo-armure imposante réagissant en temps réel à la moindre de ses micro-expressions. « Ce n'est plus de votre ressort, Fiovray. La caste du feu se chargera de récupérer ce spécimen. » Chova réprima l'expression de son agacement, aussi bien du fait de l'abus d'autorité du commandeur Odahu que par le manque de respect flagrant de l'appeler uniquement par son rang plutôt que par son nom. Shas'o Bork'an Odahu était un personnage peu apprécié de Chova, et très certainement de la plupart des gens. Sauf votre respect, commandeur Odahu, mon équipe est parfaitement apte à s'occuper de cette affaire, et dans le cas où vous voudriez malgré tout en obtenir la responsabilité, notre expertise ne pourrait que vous être bénéfique. Talissera se tourna vers Chova, levant les sourcils dans un mélange de surprise et de crainte. Elle voulut lui dire de ne pas faire de vagues, mais c'était trop tard pour attraper la rétivité de son ami. Odahu se pencha légèrement en avant, comme pour rapprocher le visage de son exo-armure Crisis de celui de Chova. La stature de la machine rendait le mouvement particulièrement menaçant. « L'expertise d'un Fio est-elle pertinente dans une affaire de sécurité publique ?» La voix du commandeur était glaciale. Chova ne répondit pas, se contentant de fixer les capteurs vidéo de l'armure dans une posture de défi silencieuse. La Crisis ne bougea pas d'un cil, puis son pilote répéta, plus lentement. « Est-elle pertinente, Fio ?»« Non, elle ne l'est pas. Shas'o. » Odahu se redressa, continuant de fixer Chova sans paraître s'offusquer de l'insulte. Le nom d'un membre de la caste du feu était pourtant encore plus riche en implications que celui des autres castes. Les faits d'armes et les actions d'éclat d'un guerrier étaient contenus sous forme de symboles honorifiques dans son nom de guerre. Ne pas le mentionner après l'énonciation de son rang impliquait que ses faits d'armes étaient inconnus, ou pire encore, qu'ils étaient insignifiants aux yeux de son interlocuteur. Qui plus est, comme ici, dans une conversation protocolaire. Odahu tourna le dos à Chova dans le crissement des servomoteurs de son exo-armure. Il s'arrêta sans se retourner tandis qu'il commença à descendre le large escalier de l'académie. « Le chasseur patient attend sa proie. » Il continua sa route, donnant des ordres aux guerriers de feux alentour. Talissera reprit son souffle, et quand le commandeur fut suffisamment loin, elle frappa du poing dans l'épaule de Chova. « Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui t'a pris de me faire une frayeur pareille? On n'a pas idée de s'opposer comme ça à la caste du feu. Surtout pas à Odahu, tu sais très bien que ce type a la rancune tenace. » Il faut bien épicer un peu notre vie, non? Moi, les épices, ça me file des aigreurs d'estomac. Yorok observa les deux taux en silence, et Chova remarqua que ce dernier attendait quelque chose de lui. Comme s'il savait à l'avance que son maître n'allait pas en rester là. Le scientifique esquissa alors un sourire en coin. « Tu me connais bien, Yorok. Je vois à tes yeux que tu sais à quoi je pense. »« Attends, de quoi tu parles? À quoi tu penses? Yorok, dis-moi à quoi il pense !» Tal se tourna à tour de rôle vers Yorok et Chova dans une attitude incertaine, attendant une réponse de l'un d'entre eux. Puis, le Kroot, jusque-là immobile comme une statue, décroisa les bras et s'inclina lentement vers Chova avant de parler. « Nous allons rassembler ma tribu. Nous vous informerons du moindre élément nouveau qui pourrait survenir. » Craig ajusta sa tunique en grimaçant. Il se sentait mal à l'aise dans ses vêtements amples à l'esthétique éloignée de ce qu'il portait habituellement. Mais en même temps, que portait-il en dehors de ses tenues de combat? En vérité, peut-être était-ce lui qui était le plus bizarre. Il reporta sa concentration sur la tablette qu'il portait et entraîna sa prononciation sur quelques phrases tôt qu'il avait apprises pendant le trajet vers Bork'an, puisque tel était le nom de cette planète. Alors qu'il marmonnait maladroitement en marchant sur le trottoir, il ne remarqua pas le Xénos qui venait en sens inverse et qui le percuta sans cérémonie. La créature à la peau bleue et au front barré d'une fente l'interpella avec un ton particulièrement agressif. Il n'était pas bien grand, mais il était trapu, sans doute un membre de la caste de la Terre, si Craig se souvenait bien des bribes de culture Tau que Xénophon s'était efforcé de lui apprendre. Malheureusement, le Tau parlait bien trop vite, et son énervement s'accentuant à chaque seconde n'aidait pas Craig à comprendre ce qu'il racontait. L'humain tenta de s'excuser avec un accent effroyable tout en s'inclinant, mais cela ne fit qu'énerver encore plus le Tau qui l'attrapa par le col avec colère. C'est alors qu'une jeune femme humaine débarqua et empoigna la tunique de Craig pour le tirer hors du trottoir et le forcer à se mettre à genoux. Elle en fit de même et présenta des excuses extrêmement complexes et polies au Tau, qui les observa avec un mélange de surprise et de dédain. Il sembla se calmer, cependant, après un instant d'hésitation, il cracha un mot que Craig ne connaissait pas, mais qui ressemblait fort à une insulte particulièrement méprisante. Puis le Xénos s'éloigna, mais la jeune femme continua de forcer Craig à maintenir sa génuflexion dans le caniveau. « Heureusement que j'étais là, qu'est-ce qui t'a pris de rester sur le trottoir alors qu'un Tau s'y trouvait aussi, tu veux te faire tuer ?» La bonne Samaritaine lui avait parlé dans un bas gothique appréciable, mais Craig ne sut pas vraiment quoi lui répondre. Il se cantonna donc à une partie de la vérité. « J'étais concentré sur ma tablette, mais merci de m'avoir sauvé, je suis pas vraiment à l'aise avec la langue Tau. »« Je te reconnais pas, t'es nouveau? Tu viens de quel quartier? Un ancien garde impérial, je parie, vu ta carrure. » Craig acquiesça, il devait se forger une identité rapidement, mais cela ne poserait pas de problème, il y était habitué. Ce n'était pas sa première mission d'infiltration. Même si cela lui paraissait bizarre de se dire que des humains pouvaient circuler normalement sur un monde Xénos. Il récita le pitch que Xénophon lui avait appris. « Ouais, je m'appelle Craig, je faisais partie des Héraclès de Pandore, notre planète a fait sécession et a rejoint l'Empire Tau. Mais nous autres bidas, on n'a pas vraiment eu notre mot à dire. Jamais entendu parler, mais c'est assez classique. Les gros pontes profitent des échanges avec les faces de poisson, et les petits comme nous finissent juste par trimer pour eux. Elle se releva tendant la main à Craig pour l'aider à en faire de même, puis elle pointa du doigt les marquages au sol à côté du trottoir. Les auxiliaires doivent marcher là dans le caniveau. Tu peux monter sur le trottoir si aucun tonne est là ou si c'est pour traverser, mais de manière générale mieux vaut éviter. J'y penserai. Et corrige ta façon de parler, j'ai jamais vu des excuses aussi mauvaises. C'est limite si tu lui disais pas que c'était de sa faute. Heureusement qu'il avait l'air pressé. Je ferai de mon mieux, merci. Oh pardon, là c'est moi qui manque à la politesse. Tu peux m'appeler Maria. Si t'as nulle part où aller, tu peux venir chez moi le temps de te trouver une piole. Merci, mais je suis pas sûr que... T'inquiète pas, j'ai de la place, elle est au moins la bonne, et j'ai même l'eau courante. Craig hésita. Il préférait éviter d'attirer trop l'attention, mais fort était de constater que c'était raté, et il pourrait certainement en apprendre un peu plus sur les us et coutumes de ses xénos grâce à cette femme. Il accepta donc en la remerciant. Elle lui tapa dans le dos avec un sourire pour toute réponse, puis ils prirent la route. Craig profita du trajet pour observer autour de lui. La cité académique de Quickstrike était une large ville, a priori l'une des plus importantes de Bork'an. Elle avait été nommée en l'honneur d'un commandant célèbre, a priori originaire de cette planète. Mais au-delà de son histoire, c'était son architecture qui impressionnait Craig. Les rues étaient propres, les bâtiments lumineux et élancés, pas vraiment dans le style ésotérique des Eldar, mais dans une apparence plus pragmatique, plus fonctionnelle. Les habitants avaient l'air en bonne santé, et l'endroit respirait la richesse et la paix, une ambiance peu commune dans cette galaxie en guerre, en tout cas de sa propre expérience. Maria remarqua l'ébahissement de son camarade humain. « Ça fait toujours ça la première fois. Je viens d'un monde minier à la base, tout était toujours noir de suie et la pollution était la norme. À l'époque, je savais même pas que le ciel pouvait être bleu, alors t'imagines ma tronche quand on m'a amené ici ?»« Tu es là depuis longtemps ?»« Eh bien, une dizaine de cycles, je dirais. J'étais ado quand le gouverneur de ma planète a décidé de rallier la cause des taux. La moitié de la population de Garros a été dispersée parmi leurs 7, soi-disant pour des échanges culturels. » Ce n'était pas le cas. Maria ne répondit pas et pointa du doigt un xénos à l'apparence étrange qui était occupé à brosser le sol devant un magasin. Puis d'un mouvement de la tête, elle pointa un humain qui portait des marchandises derrière une femelle taux, trop occupée avec son appareil de communication pour se préoccuper de lui. « On est juste des esclaves. On n'est pas vraiment maltraités et j'ai pas à me plaindre. La vie est moins difficile que sur Garros. Mais c'est un fait. La plupart des auxiliaires ne valent pas plus que des serviteurs ici. »« Tu me parais bien libre de tes mouvements pour une esclave. » Ce n'est pas pareil que dans l'Imperium, on nous drogue pas et on ne met pas des chaînes ou des gardes-chiourmes. En vérité, on est libre d'aller et venir comme bon nous semble, dans la limite des règles. Par contre, si Anto nous donne un ordre, on est obligé de lui obéir, même venant de ceux de rang inférieur. Dans les faits, comme on fait partie d'aucune caste, on est un peu les larbins de tout le monde. Mais c'est pas si mal, on a accès aux primaires comme n'importe quel citoyen de l'Empire, et si on se démerde bien, parfois on nous paye même pour nos services. Les primaires? Tu connais pas? T'as pas fait la formation quand t'es arrivé? C'est ce qui permet à tout le monde de manger et boire à volonté. J'avoue que j'ai pas tout suivi. Faut vraiment que t'apprennes la langue. Pour faire simple, les primaires, ce sont ces gros bâtiments bleus là. Tu peux y chercher de quoi subvenir à tes besoins 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais t'attends pas à de la haute gastronomie. Il y a aussi des toilettes et des douches communes, mais par contre on n'a pas le droit d'aller dans les mêmes que celles des taux. De toute façon, comme j'ai l'eau courante, je préfère éviter de me laver au milieu des autres auxiliaires. T'imagines pas à quel point ça pue un croûte mouillé. Maria éclata de rire et les deux continuèrent de marcher un moment. Ils prirent ensuite un transport en commun et atteignirent les abords de la ville. Après avoir passé un mur d'enceinte particulièrement imposant, le contraste sauta aux yeux de Craig comme un grox affamé se jetant sur sa nourriture. L'endroit n'était pas insalubre, mais il se composait de blocs d'habitation compacts et austères, tandis que le sol était usé et mal entretenu. On pouvait voir de ci de là des vêtements étendus entre deux fenêtres, des enfants qui jouaient à la balle, ou encore des vieillards assis et semblant attendre que le temps passe. Le tout dans une ambiance mélangeant misère et bucolisme. C'est le quartier Gue'vesa, la plupart des humains vivent ici. Craig fronça les sourcils avec un sentiment qu'il ne savait déterminer. Ce n'est pas ma Craig, mais au moins ici on peut un peu échapper aux règles et aux protocoles des taux. Et puis comme ils aiment pas trop venir ici, ça permet aussi de se reposer et d'éviter le service. En tout cas quand il n'y a pas de conscription ou un besoin de main d'œuvre exceptionnel. Une conscription? Comment ça? Bah de temps en temps, la caste du feu vient faire un tour et recrute des gars pour aller se battre sur un front ou un autre. Et quand je dis recruter, c'est plutôt embarquer, hein. On n'a pas vraiment le choix. Heureusement, ils prennent que les adultes maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, il paraît. Quoi, ils embarquaient des enfants? À une époque, oui, mais je l'ai pas connu. Il paraît qu'ils faisaient pas la différence entre les vieux et les jeunes à l'époque. Alors au début, ils embarquaient n'importe qui au hasard. Sauf que ça a causé des troubles, aussi bien ici que sur le champ de bataille. Et finalement, ils ont compris qu'il valait mieux se contenter des adultes. Mais c'est pas ça le pire. Craig réprima une moue d'anticipation anxieuse, et Maria se pencha en avant avec un sourire simulant le sadisme. Il paraît que quand tu te faisais recruter par les chasses, ils te les coupaient. Elle mima une paire de ciseaux avec ses doigts et fit un bruit caractéristique avec sa bouche, ce qui arracha une douleur d'empathie à Craig, qui resserra instinctivement les cuisses. Elle éclata de rire à cette vision, puis lui fit un clin d'œil. « Mais bon, ça fait un moment que Bork'an est en paix, alors t'inquiète, les baloches ne risquent rien. » Arta gazouilla sans comprendre la tension qui animait sa mère. Celle-ci faisait les 100 pas avec son bébé dans les bras, tandis que Xénophon analysait des données sur son écran de contrôle. Xerxes, pour sa part, attendait le compte-rendu du logisticien, car peu à l'aise avec l'accumulation d'informations binaires défilant sur l'écran du cogitateur. Et il tourna son attention vers Linda. « Tu devrais te calmer, ton stress est contagieux. »« Je n'ai pas de nouvelles depuis qu'il a rencontré cette femme. Pourquoi on ne peut pas rester en orbite géostationnaire ?» Les sous-routines de sécurité des taux sont bien plus sophistiquées que celles de l'Imperium. On ne peut pas rester au même endroit trop longtemps sous peine de se faire repérer. Et s'il lui arrivait quelque chose pendant que le contact est coupé? Je crois que je sais quelle chose pourrait lui arriver et qui t'inquiète tant. Linda ne répondit pas à l'ironie du sergent et se contenta de lui lancer un regard noir. Xerxes leva les mains en l'air en signe d'apaisement, puis Xénophon enchaîna sur des préoccupations plus pragmatiques. Si j'en crois ce qu'on peut tirer du réseau de communication d'Exenos, il y a une brèche de sécurité dans un de leurs laboratoires. Cela correspond à la position de la balise du sergent Artaxerxes. Tu penses que... Je ne pense rien du tout. Même s'il avait survécu à sa chute et au bombardement qui a suivi, les probabilités pour un Astartes de tenir aussi longtemps en catalepsie sont extrêmement réduites. Et ce même en considérant qu'il soit parvenu à activer ses glandes mucranoïdes avant de se mettre en stase. On a des exemples de Space Marines ayant survécu plusieurs siècles dans leur membrane. Un seul, si tu penses au cas Silas R. Et de ce qu'on en sait, l'histoire de ce Dark Angel tient plus de la rumeur que d'autre chose. Ne nourris pas trop d'espoir, Xerxes. On ne trouvera certainement que son armure et son cadavre. Xerxes ne répondit pas. Son humeur s'était assombrie. Il était conscient de la probabilité inexistante que son frère ait survécu pendant des années, en ayant subi une chute mortelle puis un bombardement orbital. Mais il ne pouvait s'empêcher d'espérer un miracle. Si une personne dans cette galaxie en était capable, c'était bien Artaxerxes. Si ce n'est pas le sergent, d'où pourrait provenir cette brèche de sécurité? Je ne sais pas. Il y avait d'autres Space Marines dans la cargaison, et de toute manière, vu les rapports que je lis, je préfère penser que ce n'est pas lui. Chova réprima un haut le cœur à la vue du cliché de la scène de crime. Il était habitué à la vue du sang et de choses peu ragoûtantes, mais l'étendue du carnage qu'il avait sous les yeux ne pouvait pas le laisser indifférent. Tal, pour sa part, s'était retourné depuis longtemps pour vomir ses boyaux dans un évier du laboratoire. Le corps n'a pas encore pu être identifié. La tribu n'a pu tirer que ces quelques photos avant que la caste du feu ne boucle la zone. Tal observa Chova et Yorok avec un regard vitreux et nauséeux. Elle essayait de comprendre ce qu'elle venait de voir, mais le simple fait de repenser à cette image la renvoya instantanément à son évier. Chova grogna et demanda. « C'était le Gue'ron'sha ? » C'est fort probable. La mort a été donnée à main nue. Il a dévoré les organes. C'est ce qu'il y a de plus nutritif. Ce pauvre homme a été totalement équarri. C'est l'œuvre d'une bête sauvage. Les Gue'la sont certes primaires et violents, mais pas à ce point-là. Nous ignorons si ce Gue'la possède encore ses capacités cognitives. Il était en stase depuis plusieurs cycles et est dans un environnement loin d'être optimal. Chova s'attrapa le menton. Il se trouvait dans une impasse. Cette créature était dangereuse, mais elle était également massive. Comment parvenait-elle ainsi à échapper à la vue de la caste du feu et de la tribu de Yorok, qui plus est s'il n'avait plus toute sa tête, comme le sous-entendait Tal? Que préconises-tu, Yorok? Si nous devions le traquer comme un animal, nous pensons qu'il faudrait d'abord trouver sa tanière, un endroit où il serait à l'aise, en sécurité pour panser ses plaies et se reposer. La cité académique s'étend sur près de 1500 km², il a l'embarras du choix. Non. S'il agit comme une bête, son instinct le poussera à retrouver les siens. Les Gue'la sont des créatures sociales. Mais alors où? Yorok ne répondit pas, il connaissait la réponse, tout comme Chova. Le scientifique se tourna vers son ami et afficha un air sombre. Le quartier Gue'vesa. Craig se leva en grimaçant. La couchette n'était pas extrêmement confortable, mais il avait connu pire. Et il aurait été de toute manière malvenu de se plaindre. Il ouvrit la porte de la chambre où il avait passé la nuit pour tomber sur Maria qui cuisinait quelque chose sur son poste de cuisine. L'appartement n'était pas très grand, une pièce à vivre d'une 20aine de mètres carrés contenant l'ensemble de l'électroménager. À cela s'ajoutaient deux chambres semblables à des cellules et une salle de bain sommaire. Il semblait pourtant que ce logis simple s'apparentait à un palace dans le quartier Gue'vesa. « Tu as bien dormi? Désolé pour le bruit, les murs ne sont pas très épais alors on entend tout le voisinage. » « Pas de souci, j'ai l'habitude de vivre en caserne, alors avoir une chambre individuelle, c'est une sorte de luxe. » Craig tenta de se rappeler l'époque où il vivait effectivement dans les baraquements de la cité mère de Polaris, avant qu'il ne rejoigne l'Alpha Légion. Cela lui paraissait flou, comme des souvenirs appartenant à une autre personne. La vie n'avait eu que peu de saveur à l'époque, et il ne parvenait pas à se remémorer un seul événement marquant de cette période. Il avait pourtant passé une grande partie de sa vie là-bas. De fait, il s'était engagé dans la garde impériale à l'âge de 15 ans, dans l'espoir de quitter sa planète et de vivre une vie d'aventure. Grosse désillusion, il avait été affecté aux forces de défense planétaire d'un vieil agrément isolé au fin fond de nulle part. Et en un sens, il pouvait aujourd'hui dire qu'il avait eu de la chance. Cette affectation lui avait certainement sauvé la vie, étant donné le broyeur à viande que représentaient habituellement les forces armées de l'Impérium. Et plus que tout, c'était également ce qui lui avait permis de rencontrer Darius, Xerxes et surtout Linda. Il nota à ce sujet que la connexion mentale avec la Psyker n'était toujours pas rétablie. Ce n'était pas plus mal, il n'appréciait pas spécialement la sensation d'héberger l'esprit de quelqu'un, l'épiant par ses propres yeux, quand bien même s'agissait-il de sa compagne. Il se gratta le crâne et s'adressa à Maria. « Merci pour l'hospitalité, mais je vais devoir y aller. »« Déjà? Qu'est-ce qu'il y a de si pressé ?» Craig ne sut pas quoi répondre pour noyer le poisson, et il se contenta donc de lui donner une réponse évasive. J'ai des choses personnelles à régler, j'ai pas trop envie d'en parler. Pas de problème, chacun ses secrets. Mais par contre, tu risques de te perdre si tu pars te balader comme ça sans guide, surtout avec ta maîtrise approximative de la culture Tau. Je vais t'accompagner. Maria acheva de découper un morceau de viande non identifié avant de l'emballer et de le fourrer dans un conservateur. Elle se nettoya ensuite les mains et enfila sa tunique, prête à partir avec Craig, qui réprima un grognement de dépit. Il ne comprenait pas pourquoi cette fille se montrait aussi protectrice et collante à son égard. Et il allait devoir trouver un moyen de lui fausser compagnie une fois dehors. Ils sortirent du bloc d'habitation et commencèrent à marcher dans les rues qui s'éveillaient lentement, le ciel arborant encore la couleur rougeâtre de l'aube. « Tu n'as pas besoin de te montrer aussi bienveillante avec moi, je peux me débrouiller tout seul. »« Je sais, mais je suis comme ça. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne pour m'aider et j'ai galéré pendant des années avant de m'habituer à cette vie et me faire une place. Alors quand j'ai enfin réussi à me poser et à avoir une bonne situation, je me suis fait la promesse d'aider ceux qui débarquent à la cité académique. » Et t'en as aidé beaucoup comme ça? Eh bien, pas trop. En fait, t'es le premier. Maria éclata de rire et Craig eut une moue d'incompréhension et de gêne. Ils stoppèrent leur marche et passèrent à côté d'un étal où étaient exposés des fruits et des légumes xénos. Ces derniers ne semblaient pas très frais, et Craig soupçonna qu'il s'agissait certainement d'un vendu provenant d'un magasin Tau. Maria discuta avec le vieil homme qui tenait l'étal, et l'agent infiltré resta en retrait, profitant de l'occasion pour réfléchir à un moyen d'échapper à la bienveillance invasive de sa bonne Samaritaine. Il s'apprêta à saisir l'occasion qu'elle ait le dos tourné pour prendre la tangente, mais ce faisant, il remarqua que la conversation prenait un ton sérieux et grave. Il retint sa fuite, et Maria acheta quelques fruits avant de se tourner vers lui avec un air inquiet. « Il s'est passé quelque chose ?»« Je crois, oui. » Je n'ai pas toutes les infos, mais il y a eu un meurtre. » Craig haussa les épaules. Ce n'était pas comme si la mort d'autrui était chose peu courante dans cette galaxie. Il ne comprenait pas pourquoi cela affectait tant Maria. Celle-ci remarqua le manque d'affect affiché par Craig et s'empressa de préciser le contexte. « Il n'y a pas de meurtre sur Bork'an, en tout cas pas entre Tau. »« Hein? Comment ça ?» ?»« Les Tau ont une sorte de religion, mais c'est plus que ça, c'est plus profond. » C'est totalement constitutif de leur civilisation. Ils appellent ça le bien suprême, le Tau'va. » Craig se souvint du briefing de Xénophon. Il avait été succinct, essentiellement car le Space Marine lui-même ne comprenait pas vraiment ce qu'il expliquait. Mais en gros, de ce qu'il en avait compris, il s'agissait d'une espèce de culture communautariste poussée à l'extrême. « Il y a des siècles, les Tau se faisaient la guerre entre eux, et ils ont failli disparaître. Mais c'est là que les éthérés sont apparus. A priori, c'est que de la mythologie, et je t'avoue que je trouve ça un peu niais, mais les éthérés ont rassemblé les peuples, et ils les ont unis sous la bannière du bien suprême. C'est en accord avec cette doctrine que dans la théorie, le but dans la vie du moindre taux, c'est d'agir pour le bien de tous les autres taux. C'est plutôt noble comme idée, mais c'est que de la théorie. Aucune société ne fonctionne parfaitement. Il y a toujours des rouages grippés. Pas chez les taux, ou en tout cas pas au point de s'entretuer. Il y a bien sûr toujours quelques électrons libres, mais le meurtre reste un tabou absolu. Et en vrai, je sais pas trop comment ils font pour s'y tenir. C'est comme si la parole des éthérés faisait office d'édit divin. Pourtant, ce sont que de vieux papiers rabougris pour la plupart. Mais à notre échelle, c'est comme si l'empereur en personne venait de donner un ordre. Craig essaya de s'imaginer recevoir un ordre direct de l'empereur de l'humanité, mais il ne parvenait même pas à se le représenter. En tant qu'agent de l'Alpha Légion, l'empereur était censé être son ennemi juré, la cible à abattre. Mais en cet instant, il se rendait compte qu'en réalité, ce n'était tout au plus qu'un concept abstrait dans son esprit. Maria le ramena alors à la conversation. L'auteur de ce meurtre ne peut pas être un taux, ce qui signifie que tôt ou tard, ils vont se tourner vers les auxiliaires pour trouver le coupable. L'exo-armure s'écrasa sur le sol avec fracas suite aux multiples impacts de munitions rudimentaires. Elle n'eut pas le temps de se relever car un missile brinque-ballant vint la percuter dans une déflagration de combustible volatile et de fumée noire. Un chassevray ouvrit le feu en panique sur la gigantesque masse de muscles qui fonçait droit sur lui, mais ses projectiles chargés en plasma ricochèrent sur les épaisses plaques de métal recouvrant le monstre, et ce dernier balaya sa malheureuse victime d'un revers de sa lame lourde. Harlock piétina le cadavre sans respect et attrapa un autre guerrier de feu par le crâne avant de le lever à hauteur de visage. La créature chétive gesticulait, tandis que la poigne de l'orque écrasait son casque par sa simple force musculaire hors norme. « Hé le bleu, où est ta planète? Celle avec les autres bleus et leurs armures qui brillent !» Le taux continua de gesticuler de manière incontrôlée avant de finalement succomber sous la pression imposée sur son crâne, en même temps que son casque cédait dans un craquement. Harlock balança le cadavre par-dessus son épaule en pestant de manière dépitée. Snapgit s'apparut alors, pointant sa tête derrière le couvert de la large jambe de son capitaine. « Ils sont pas très causants, enfin sauf quand ils braillent comme des squeaks, je veux dire. » Harlock ignora son sous-fifre, étudiant le champ de bataille chaotique autour de lui. Ses boys avaient clairement l'avantage, aussi bien en nombre qu'en puissance. Rien d'étonnant de son propre point de vue, mais il ressentait malgré tout une pointe de frustration. Les bastons à sens unique étaient fun, mais manquaient de piment. Son regard croisa alors une de ces boîtes qui tuent volantes que les bleus utilisaient. Celle-ci se battait mieux que les autres, abattant ses boys salve après salve, et en plus elle avait plein de gadgets brillants la différenciant des autres. Harlock grimaça. « Ça doit être le boss, je vais lui craser la tête, peut-être qu'il sera plus causant que ses boys. »« Faites attention, Captain, il a pas l'air joasse. »« Je peux pas perdre, j'ai mon chapeau de zom. » Le Big Boss se rua dans sa démarche de gorille vers l'exo-armure. Celle-ci le vit arriver bien avant qu'il ne présente une menace, et elle décolla d'un bond en activant ses réacteurs pour se désengager et ouvrir le feu vers l'orque. Ses canons à impulsion illuminèrent l'atmosphère saturée de fumée d'échappement et de suie, provoquée par les moteurs approximatifs des orques. Mais Harlock se contenta de ramasser un taux qui passait à proximité pour s'en servir comme d'un bouclier. Il broya alors le cadavre en charpie avant de beugler. Wag! Sa vitesse augmenta et l'exo-armure fut prise par surprise suite au gain de célérité inattendu du monstre vert. Elle activa à nouveau ses réacteurs, désireuse de mettre de la distance entre elle et la menace, mais trop tard cette fois-ci. Oh non, tu vas pas t'envoler cette fois-ci! Harlock attrapa la cheville de la machine qui avoisinait sa taille déjà considérable, même pour un orque, et par la simple contraction de ses biceps, il projeta sa prise au sol dans une explosion de débris. L'exo-armure crissa dans une série de détonations causées par les dégâts internes, et quand elle tenta de se relever, l'orque resserra sa poigne avant de pousser un grognement sourd et de tendre à nouveau tous ses muscles. La machine turquoise fut soulevée de terre et effectua un arc de cercle avec pour centre la masse imposante d'Harlock. Quand il la lâcha, elle fusa comme un projectile avant d'aller s'encastrer dans un tank orc à proximité. La technologie instable des peaux vertes n'apprécia pas le choc et explosa dans une gerbe de flammes et de bouts de métal en fusion. L'exo-armure se releva en titubant au milieu de la fournaise, incapable de faire plus compte tenu des dégâts importants qu'elle avait subis. Soudain, la gigantesque lame d'Harlock vola vers elle, fendant les flammes et la fumée, et venant se ficher dans la machine qui tomba à la renverse suite au choc. Quand le Big Boss traversa le feu pour poser un pied triomphant sur la carcasse inerte, celle-ci leva son canon à impulsion et ouvrit le feu. Mais le tir de désespoir ne fit pas mouche et frappa le large tricorne d'Harlock. Celui-ci afficha une colère froide et se contenta de dégager son kikoub de la machine détruite avant de trancher son arme d'un revers puis d'embroyer le cockpit sous sa botte blindée. Il resta alors là, pantelant. « Merde, j'ai oublié de lui demander où était sa planète. » Darius explorait les ruines de l'avant-poste Tau saccagé, accompagné de quelques autres Space Marines. Étant donné leurs problèmes d'effectifs, il devait lui aussi mettre la main à la tâche. Mais cela ne le dérangeait pas, en réalité il trouvait même rafraîchissant de pouvoir quitter son rôle de commandement pour des missions de terrain. L'un de ses hommes débarqua alors et lui fit son rapport. « Nous n'avons trouvé aucun survivant, les orques ont massacré tout ce qui bougeait, et ils ont pillé le reste, même si je sais pas si ces bestioles stupides sont capables de comprendre la technologie des Tau. Ne sous-estime pas les peaux vertes, ces créatures ont une étonnante facilité à saisir des concepts complexes, du moment que cela peut servir leurs objectifs. Et qui sont, comme toujours, se battre et faire la guerre. » Le Space Marine ne répondit pas et observa en silence les corps éparpillés au sol et les restes calcinés de la bataille qui avait dû être d'une rare violence. Pour les orques, la guerre n'était pas un moyen, elle était une fin en soi. « En tout cas, capitaine, il y a une chose qui est sûre, on dirait qu'ils ont les faces de poisson dans le collimateur. » « Oui, et Bork'an n'est pas très loin, cela n'arrange pas nos affaires. Ouvrez un canal vers l'Epsilon et prévenez Xénophon que la mission va subir une pression inattendue. » Les humains du quartier Gue'vesa étaient silencieux, chacun avait reçu l'ordre de se poster devant son habitation, et les soldats de la caste du feu effectuaient une inspection brutale du secteur en réponse au meurtre de la veille. Craig et Maria étaient dans le lot, et à l'instar des autres humains, ils affichaient un visage tendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je t'avais dit. Les soupçons se sont forcément tournés vers les auxiliaires, mais j'avais jamais vu un tel déploiement de force, je comprends pas. Craig tourna la tête quand un cri se fit entendre et qu'un guerrier de feu jeta une femme au sol en réaction à son opposition quand les chasses commencèrent à fouiller sa maison, sans se préoccuper des dégâts qu'il causait. L'agent humain serra le poing quand il vit la femme blessée pleurer sur le sol. Ne fais rien de stupide. Je n'ai encore rien dit. Je t'ai entendu le penser très fort. Il eut alors un enfant qui, de terreur, fondit en larmes suite à l'interrogatoire musclé des Tau. Et quand il tenta de s'enfuir, il fut traité comme tel par les chasses qui ne tinrent absolument pas compte de son âge au moment de l'arrêter brutalement. Il fut roué de coups avec violence et à son tour plaqué au sol quand le Tau beugla. « Tu sais quelque chose? C'est un Gue'la qui a commis ce meurtre. On sait qu'il se cache ici. Dis-nous ce que tu sais, barbare. » C'en était trop, Craig se sépara de Maria qui ne parvint pas à le retenir et il se dirigea vers le tortionnaire qui maltraitait le pauvre gamin. Il n'eut cependant pas l'occasion d'intervenir, car la masse imposante d'un Kroot le fit avant lui. « Sauf votre respect, ce Gue'la est un juvénile, il ne sait visiblement rien. » « De quoi je me mêle, Kroot? C'est pas parce que ta race est un peu moins inférieure que les autres que tu peux te permettre de me dire quoi faire. » « Loin de nous cette idée, nous ne cherchions qu'à vous aider dans votre enquête. » Le Kroot dépassait clairement le Tau d'au moins 2 têtes, et ce dernier, après un moment d'hésitation face au regard imperturbable de l'auxiliaire, se détourna de lui en pestant, avant d'aller interroger d'autres humains un peu plus loin. Yorok le regarda s'éloigner de ses yeux aviens aux pensées indéchiffrables. Il tourna alors son regard sur le petit humain qui se faisait relever par l'un de ses semblables. « Le juvénile est-il sauf ? » ?»« Oui, merci. Nous nous appelons Yorok. » Maria arriva alors en courant et se posta à côté de Craig. Elle observa alors Yorok avec un air incrédule. « Que s'est-il passé? Pourquoi vous vous êtes interposé? Je croyais que les Kroot étaient entièrement soumis au Tau. » »« Nous sommes certes des serviteurs, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas notre libre arbitre. » »« En tout cas, merci Yorok, votre aide a été salutaire. » »« Ça tu peux le dire, les Kroot ont un statut particulier parmi les auxiliaires. Si ça avait été toi, tu aurais été simplement abattu par ce chasse, et sans doute que tu n'aurais pas été le seul. » »« Il est vrai. Nous sommes d'ailleurs intervenus en voyant votre prompte et dangereuse animosité à l'égard de ce guerrier de feu. » Craig grimaça tout en restant à genoux avec le bambin pleurant dans ses bras. Cela ne lui ressemblait pas de se montrer aussi imprudent. D'habitude, c'était lui qui faisait la morale à son sergent pour ses prises de risques inconsidérées. Mais, sans doute parce qu'il était lui-même père à présent, la vue de cet enfant en danger l'avait poussé à intervenir sans se préoccuper de sa propre sécurité ou de sa mission. Yorok l'observa avec un air ressemblant à de la circonspection, bien que cela fût difficile à déterminer sur son visage de volatile. « Vous n'êtes pas comme les autres. » Maria intervint alors, légèrement en panique et lâchant un rire nerveux, comme si elle essayait de justifier les actes de son camarade humain. « C'est parce que c'est un nouveau, il est arrivé il y a quelques jours, alors il n'est pas encore au fait du fonctionnement ici. » Yorok resta silencieux, il continua de fixer Craig l'espace d'un instant, tandis que celui-ci s'efforçait de consoler le petit garçon en état de choc. Puis le Kroot observa autour de lui, pointant du regard les taux qui continuaient leurs fouilles et leurs interrogatoires. Maria attira alors son attention. « Est-ce que vous savez pourquoi les taux sont si virulents à notre égard? On n'a jamais été dans leur cœur, mais c'est la première fois qu'ils sont aussi violents. » « Nous savons de sources sûres que le meurtrier est un Gue'la. » « Mais c'est impossible, je connais tout le monde ici, ou presque. Personne ne sera assez stupide pour tuer un taux. » « Le meurtrier n'est pas un Gue'vesa, c'est un Gue'ron'sha, un Space Marine. » Maria afficha une moue d'incompréhension, comme si elle ne saisissait pas ce à quoi faisait référence Yorok. Mais Craig, pour sa part, se figea en entendant cela. Le petit garçon ressentit la tension de l'homme, et d'inquiétude, il troqua ses larmes par une mine confuse. Craig tourna alors son regard vers le Kroot. « Vous avez dit un Space Marine ?» L'endroit était sombre et humide, mais suffisamment labyrinthique pour lui permettre de se cacher. Il n'avait pas commis la même erreur deux fois en tuant ses proies directement, préférant les capturer pour les dévorer à l'abri des regards. Mais même ainsi, il se sentait traqué. Il n'agissait pas par logique, mais par pur instinct. Comme si son corps avait en mémoire des siècles passés à se cacher et à épier depuis les ombres. Étrangement, il avait pourtant laissé filer sa dernière proie. Elle était différente des autres, sa couleur n'était pas bleue et sa peau était rosée. Elle avait crié comme ses précédentes prises et elle s'était débattue de la même manière. Mais étrangement, il avait éprouvé une sorte de réticence à lui ôter la vie et il l'avait relâchée avant de s'enfuir dans les égouts de la ville. La créature se posa en tailleur sur le sol humide, illuminée par quelques lumières de sécurité. Son regard se porta alors sur un jeu de reflets au sol et il s'y intéressa. Son visage se posta au-dessus de la flaque de liquide douteux, et il observa avec curiosité les deux petits orbes qu'il y vit. La surprise le tirailla quand, dans un plissement de ses yeux, les deux sphères s'atténuèrent, mais il lui fallut encore quelques instants pour comprendre qu'il contemplait son propre reflet. Sa peau était pâle, couverte de cicatrices, son crâne recouvert d'une fine couche de cheveux, et ses yeux injectés de sang. Chova posa une main de réconfort sur l'épaule de la Gue'vesa. Cette dernière était en état de choc, et cela avait été une chance que ce soit la tribu de Yorok qui l'ait trouvée avant la caste du feu. Il demanda à l'un de ses subordonnés de l'emmener dans une salle de repos et de subvenir à ses besoins autant que faire se peut. Talissera grimaça. « On peut donc supposer qu'il a fait d'autres victimes, cela explique les disparitions récentes qui ont été rapportées. » Et cela nous permet également de voir qu'il a encore une vague morale. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » Cette Gue'vesa n'a pas échappé au Gue'ron'sha, il l'a laissé partir. Ça ne correspond pas à ce qu'elle a raconté. Son témoignage était confus et biaisé par la peur. Je n'imagine pas cette créature laisser filer une proie aussi simplement. Yorok avait raison, comme toujours. Tu veux dire à propos de son désir de retrouver ses semblables? Pourtant il me semble qu'il préfère hanter les égouts de Quickstrike. Il s'est sans doute reconnu en elle. Si ce que je pense se vérifie et qu'il a encore un semblant de lucidité, il ne devrait pas tarder à se poser des questions. Et pour y répondre, il va essayer de trouver d'autres Gue'la. Tant mieux, ça veut dire qu'il tombera sur la caste du feu. Le quartier Gue'vesa est sous étroite surveillance. Il y a des patrouilles et des interrogatoires nuit et jour. Chova resta silencieux. Il n'appréciait pas les méthodes du commandeur Odahu. Les Gue'la ne supporteraient pas très longtemps le traitement qui leur était imposé. C'était une des rares choses dont il était sûr. Cette espèce avait un fond de révolte qui couvait en permanence en elle. Pas étonnant dans ces conditions qu'elle soit si prompte à se faire la guerre à elle-même pour des divergences d'opinion. D'une certaine manière, il se reconnaissait en elle, et cela lui faisait peur. « Tu n'as pas l'air convaincu. Je ne saisis toujours pas pourquoi tu ne laisses pas simplement la caste du feu faire son travail. Celui de notre caste, c'est la production de ressources et de savoir, pas la chasse aux monstres. » Nous sommes responsables, Tal. C'est nous qui avons relâché ce Gue'ron'sha au milieu de nos concitoyens, par notre incompétence. Talissera détourna le regard avec une expression de culpabilité. Elle marmonna presque pour elle-même. C'est moi qui suis responsable, mais quand bien même, c'est pas notre rôle. Odahu est aveuglé par le désir d'allonger son nom de guerre. Il ne cherche pas le bien suprême, mais seulement sa gloire personnelle. Et il n'a aucune considération pour les auxiliaires qu'il fait souffrir dans cette quête. Et alors, ce ne sont que des Gue'la, il y en a des milliards dans la galaxie, et ils vivent pour la plupart dans des conditions exécrables qu'ils s'infligent eux-mêmes. Parfois, je me demande même si la misère, c'est pas simplement leur environnement naturel. Ce sont des créatures sentientes avec des émotions, des peines et des joies. Tu ne peux pas leur retirer ça quand ça t'arrange. Je suis désolé, je le pensais pas vraiment, c'est juste que je m'inquiète pour toi. Eh bien, Tal, ça ne respecte pas vraiment le Tau'va de s'inquiéter uniquement pour une seule personne, qui plus est une personne avec qui tu n'es pas lié. Là, c'est toi qui utilises uniquement ce qui t'arrange. T'es la personne la moins partisane du Tau'va que je connaisse, alors essaie pas de me la faire à l'envers avec le bien suprême. Pardonne-moi, je te taquinais juste. Dis, Chova. Quoi donc? Pourquoi tu n'as jamais fait de Talissera? Le scientifique fut légèrement pris au dépourvu par la question. Le rituel du lien qui partageait son nom avec celui de son ami était une cérémonie importante dans la vie d'un Tau'va. Une cérémonie où il choisissait de se dévouer corps et âme à la même cause qu'une ou plusieurs autres personnes. Dans la caste du feu, ce rituel était souvent pratiqué entre membres d'une même escouade, mais il était également commun dans les autres castes pour souder des groupes de travail, ou même simplement des amants ou des amis. Généralement, un Tau'va ne pratiquait qu'une poignée de fois le Talissera dans sa vie, et c'était un engagement fort envers autrui. Franchement, je vois pas qui serait suffisamment stupide pour vouloir se lier avec moi. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne suis pas très populaire. Je suis sûr qu'il y a un tas de tes collègues qui t'apprécient. À part toi, j'en vois aucun. Et je t'appelle déjà par ton nom sans avoir besoin de payer un couteau rituel hors de prix. Idiot. La conversation fut interrompue par l'entrée inopportune d'un assistant de Chova qui lui annonça que Yorok désirait un entretien avec lui. Chova remercia son subordonné et celui-ci se retira avant que la silhouette imposante du Kroot ne vienne le remplacer quelques minutes plus tard. Mais ce ne fut pas la présence de Yorok qui interpella Chova à cet instant précis, mais bien celle des deux Gue'la qui l'accompagnaient. L'un d'eux semblait être un mâle et l'autre une femelle. Cette dernière paraissait bien plus nerveuse que son homologue masculin. Nous vous saluons, maître. Veuillez nous excuser pour cette intrusion, mais nous avons pensé que vous voudriez vous entretenir avec ce couple de Gue'la. Nous ne sommes pas un couple, il... Pardon, je veux dire, bonjour, maître. Veuillez excuser mon impolitesse. Maria s'inclina avant de taper Craig dans le dos pour qu'il l'imite, mais ce dernier ne s'exécuta pas, son regard fixé sur celui du Tau'va qui l'observait avec une intense curiosité. Chova esquissa alors un sourire. Voilà qui est surprenant. Quoi, j'ai quelque chose sur le visage? Tu n'as pas peur. C'est à la fois étrange et rafraîchissant. Je m'appelle Fiogalis Bork'an Chova, mais appelle-moi simplement Chova. Tal leva un sourcil, puis secoua la tête en posant la main sur son front dans un air de dépit. Encore une fois, son ami faisait montre de son absence complète de respect pour le protocole et la hiérarchie. En même temps, il portait bien son nom. En langage Tau'va, Chova était synonyme de prévoyance, mais également d'insoumission. L'humaine partagea son indignation à l'idée d'un auxiliaire appelant un Tau'va par son prénom. « Nous n'oserions pas ?»« Chova, ça me va. De toute façon, sauf votre respect, j'arriverai pas à retenir le nom complet. Je m'appelle Craig, et elle c'est Maria. » Chova s'amusa de la décontraction affichée du Gue'la presque autant que de l'indignation outrée de sa compagne. Yorok reprit alors la parole, ramenant la conversation à des termes plus sérieux. L'humain semble savoir des choses concernant le Gue'ron'sha que nous recherchons. Nous avons cru bon de vous l'amener directement. Bien que rares dans leur société, les Gue'ron'sha restent un élément relativement commun de la culture populaire Gue'la. Il n'est donc pas étonnant que certains d'entre eux possèdent de vagues connaissances à ce sujet, mais je ne suis pas sûr qu'un cours de folklore nous soit très utile. J'en sais plus que la plupart des gens. Que pourrais-tu donc savoir à propos de ce Gue'ron'sha que nous ignorons? Je connais son nom. Xerxes faisait les 100 pas de manière nerveuse dans la salle de communication de l'Epsilon. Sa tension était palpable, mais Xénophon, comme à son habitude, restait maître de lui-même, sans se laisser influencer par les coups de sang de son camarade. « Foutu Xénos, que le Warp emporte cette saleté de technologie !»« Calme-toi Xerxes, je fais de mon mieux pour trouver un accès à proximité de Quickstrike. Dès que j'aurai trouvé une faille, nous pourrons en savoir plus sur la situation de ton agent. » Et on fera comment pour le contacter? Linda est encore occupée à décrypter le message astropathique du capitaine, elle pourra pas le joindre. La sorcière est douée, elle ne devrait pas tarder à finir le décodage, et elle est la seule à pouvoir le faire de toute manière. Tous nos astropathes sont morts sur Ibren. Xerxes frappa du poing sur un mur et le métal se tordit à l'impact. Cela faisait plusieurs jours qu'il avait perdu le contact avec Craig, et pour une raison inconnue, la toile de sécurité des taux s'était renforcée il y a peu, rendant impossible à l'Epsilon de continuer sa surveillance discrète. Je t'en ai déjà parlé, mais tu es trop attaché à tes agents humains, Xerxes. On est en sous-effectif et ils sont efficaces, c'est normal de vouloir les préserver. J'espère que c'est à moi que tu mens et pas à toi-même. Ton affection pour eux est visible, tu as toujours été comme ça, mais c'est encore pire depuis la mort d'Artaxerxes. Xerxes se tordit dans un rectus de contrariété, puis se tourna vers le mur avant de plaquer les deux mains sur ce dernier en cherchant à dissimuler ses émotions au logisticien. Ce dernier continua de l'observer en silence pendant quelques secondes avant de reprendre la parole. Nous ne sommes pas comme eux, Xerxes. Tu te feras du mal en te réveillant de cette utopie, tôt ou tard. Les Astartes n'ont pas vocation à créer des liens. On crée bien des liens entre frères de bataille, quelle différence? Ils font partie de la Légion, comme nous. Et pour combien de temps encore? 50 ans? 100 ans? Un clignement d'œil pour un Astartes. Xerxes ne répondit pas. Il n'était pas idiot malgré les apparences. Il savait bien que la durée de vie d'un humain était de loin inférieure à celle d'un Space Marine. Quel être vivant ne l'était pas d'ailleurs? Il n'avait pas connaissance d'un de ses semblables qui soit mort de vieillesse, et pour sa part, cela faisait déjà plus de 10 000 ans qu'il continuait de se battre sans fatigue et sans ressentir les effets de ce temps qui assaillait les créatures moins chanceuses que lui. Mais était-ce vraiment une chance? La jeunesse éternelle pouvait paraître pour telle, mais l'éternité avait tendance à rendre fade le concept même d'existence. Il secoua la tête peu à l'aise avec ses questionnements philosophiques, préférant laisser ses sujets prises de tête au capitaine Darius. Il existe des traitements réjuvénants, les gros pontes de l'Imperium arrivent à repousser leurs morts pendant des siècles. Tu te voiles la face, ils mourront, et en vérité je doute qu'ils vivent suffisamment longtemps pour espérer une mort naturelle. La longue guerre les emportera bien avant. Pas si je peux l'empêcher. Tu ne pourras pas, c'est bien ce que j'essaie de t'expliquer. Xerxes, nous n'existons que pour la guerre. Tout ce qui attend ce qui nous entoure, c'est une spirale de mort et de douleur. Vouloir les protéger en les faisant combattre pour nous, c'est aussi idiot que de sortir un poisson de l'eau, de peur de le voir s'y noyer. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Continuer de te battre, ignorer les étincelles éphémères qui illuminent l'obscurité dans laquelle nous sommes nés, car il n'y a pas d'échappatoire pour nous, nous appartenons aux ténèbres. Eh ben moi je préfère la lumière. Xénophon n'eut pas le temps de répondre à cette affirmation, le sas de la pièce s'ouvrit, laissant apparaître une Linda à bout de souffle. C'est une urgence, le capitaine nous informe qu'une WAG orc se dirige en ce moment même vers Bork'an, les Povers peuvent débarquer à tout moment. Xénophon et Xerxes restèrent quoi l'espace d'une seconde. Le changement d'ambiance était pour le moins brutal, mais cela conforta Xénophon dans sa position. Les Space Marines ne pouvaient aspirer à rien d'autre qu'une existence rythmée par la guerre. De quand date la transmission? Quelle position? C'est difficile à dire à cause de la grande faille, mais si j'utilise Bork'an comme axiome, alors on peut obtenir une référence de 1 ou 2. Je dirais donc quelques semaines environ, et à moins d'une translation médium de notre position. C'est plus qu'il en faut pour parcourir cette distance, même pour des orques. Si on se bat sur le préfixe de datation le moins fiable, il devrait même déjà être là. On doit décamper au plus vite. Linda écarquilla les yeux dans un mélange de surprise et d'inquiétude à l'audition de cette réponse. Mais ce fut Xerxes qui y mit les mots en grinçant des dents. On ne partira pas sans Craig. L'enquête sur la réactivation de l'armure du sergent n'est plus une priorité. La mission est annulée. Linda observa en panique les deux Astartes qui se fixaient en silence. Soudain, Xerxes se retourna et se dirigea vers le sas. Xénophon se leva en trombe, manquant de renverser Linda sur son passage, au moment où il attrapait le sergent par son épaulière pour le retenir. « J'ai dit que la mission d'enquête était annulée. »« Ce n'est plus une mission d'enquête, c'est une opération de sauvetage, et elle commence maintenant. » Chova observa les deux humains. La femelle semblait toujours aussi perdue et anxieuse, mais on ne pouvait pas lui reprocher. Elle avait subi le conditionnement que les taux infligeaient à leurs auxiliaires, et ce dernier ne laissait pas vraiment de marge de manœuvre quand il s'agissait de sortir des clous. Le mâle par contre était bien plus intéressant. Chova n'avait pas eu souvent l'occasion de parler avec des Gue'la qui n'étaient pas des Gue'vesa, mais il était sûr que celui-ci n'en était pas un. Le problème à présent était de faire en sorte que cela ne se sache pas en dehors de leur petit groupe, au moins le temps de retrouver le monstre meurtrier qu'ils avaient relâché en ville. Craig glissa sa main sur l'armure énergétique, et il frissonna en ressentant la colère et la douleur de cette dernière. Il ne la ressentit pas physiquement bien sûr, mais plus de manière inconsciente, comme une sorte de rêve éveillé. Son métal était froid et usé, rongé par le temps, comme si elle en avait souffert les affres pendant des siècles. Il reconnaissait pourtant bien l'armure d'Artaxerxes. « Tu ne devrais pas être ici, mais j'imagine que tu sais pourquoi, vu que tu n'es pas un Gue'vesa. Les Gue'vesa, c'est les gens comme Maria, c'est ça ?»« Des auxiliaires. » »« Alors non, je suis pas comme eux. » »« Je m'en doutais. » »« Attends, tu dis que ce Gue'la n'est pas un auxiliaire, mais alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait sur Bork'an ?» Chova ne répondit pas, et Maria ne savait quel sentiment adopter entre la peur et la confusion. Craig n'était pas un Gue'vesa, il lui avait donc menti, mais pourquoi? Un humain ne pouvait pas circuler sur Bork'an, ni sur aucun monto, sans avoir prêté serment de servir en tant qu'auxiliaire. J'imagine que je peux le dire. De toute façon, si vous vouliez me tuer, vous l'auriez déjà fait. Je suis un agent de l'Alpha Légion, même si ça doit pas vous causer. Je suis là pour enquêter sur la réactivation de cette armure. Et comment avez-vous su que cet artefact avait été réactivé? Nous avions pris un soin particulier pour la cloisonner et l'isoler. Je suis pas un spécialiste, mais j'imagine que votre cloisonnement ne bloque pas les balises Warp. Chova resta muet, exprimant sa curiosité par son silence et invitant Craig à continuer son explication. Ce dernier lâcha un soupir d'ennui en se grattant le crâne, puis il enchaîna. Les armures énergétiques sont équipées de tout un tas de gadgets, et il y a des balises à courte portée dans chacune d'elles. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça permet de les repérer via un signal court dans le Warp, m'en demandez pas plus. Le Warp? Tu veux dire l'autre plan? L'autre quoi? J'en sais rien, le Warp, l'Empyrine, l'éther, appelez-le comme vous voulez, bref. Cette armure appartient à mon sergent, et c'est lui que vous recherchez. Ça tombe bien, moi aussi j'ai envie de le voir. On n'est pas en train de parler d'un ami que t'aurais perdu de vue, mais d'un monstre qui a déjà tué plusieurs taux. Pourquoi est-ce qu'on devrait coopérer avec ce Gue'la? Craig croisa les bras suite à la réplique agressive de Talissera, puis il tourna son regard vers Chova. Ce dernier avait fermé les yeux et semblait réfléchir. Il répondit sans même rouvrir les paupières. Il est évident que ce Gue'la connaît bien mieux notre cible que nous. Son aide serait des plus profitables pour la débusquer et l'empêcher de nuire. La vraie question est, qu'attend-il de nous? Yorok nous a aidés au quartier Gue'vesa, il l'a fait en s'opposant aux guerriers de feu, et vous me paraissez être quelqu'un du même genre. Si je vous aide, je veux qu'une fois qu'on aura retrouvé Artaxerxes, vous me laissiez quitter cette planète avec lui. Tu te rends bien compte que c'est impossible, ton ami a tué de nombreuses personnes, il est plus une bête qu'autre chose à présent. Si nous le retrouvons, ce sera pour l'abattre. Alors vous ne le retrouverez pas. Les alarmes résonnaient dans toute la base, et les guerriers de feu étaient aux abois, rejoignant en vitesse leur poste de combat, sans véritablement savoir à quoi s'attendre. Un chasse-vrai pénétra le bureau du commandeur Odahu et lui fit son rapport avec un ton paniqué. « Chers Odahu, le réseau de surveillance nous indique une brèche de sécurité d'origine exogène dans le périmètre aérien de Quickstrike. Les orques sont aux prises avec la caste de l'air aux abords du système. C'est impossible qu'ils soient déjà là, je n'ai reçu aucun rapport allant dans ce sens. » Ce ne sont pas les orques, Shas'o Bork'an. Les signatures indiquent des Gue'la d'origine inconnue. Le commandeur grimaça, ne sachant pas trop comment réagir à cette nouvelle. Il avait déjà fort à faire à préparer leur défense depuis qu'il savait que les orques se dirigeaient vers Bork'an. Et il n'avait pas besoin d'une menace supplémentaire à gérer, surtout pas avec ce Gue'ron'sha qui continuait de leur filer entre les doigts. Mais comme le disait le commandeur Purtide, notre force mesure à l'aune de notre masse et de notre vitesse. Les deux sont liés, ainsi si l'une nous fait défaut, il faut maximiser l'autre en conséquence. La situation me paraît problématique. Concentrez le maximum de forces disponibles sur ces Gue'la et continuez d'organiser les défenses pour accueillir les orques. Et pour le Gue'ron'sha, ignorez-le. Nos effectifs sont trop réduits pour chasser trois lièvres à la fois. Nous ne pouvons maintenir le Koyon. Un Mandka rapide et puissant me paraît donc la stratégie la plus appropriée. Plus vite nous aurons éliminé les Gue'la et les orques, et plus vite nous pourrons réassigner des guerriers à la traque de ce Gue'ron'sha. Les modules d'atterrissage s'écrasèrent avec un fracas de débris et de poussière au milieu de la place centrale de Quickstrike, provoquant la panique parmi les taux et les auxiliaires présents. Les cris et la fuite des civils accompagnèrent la décompression des modules, qui s'ouvrirent comme autant de fleurs d'acier bleu. La vapeur qui en résulta couvrit le déploiement des passagers qui établirent rapidement un périmètre autour de leur véhicule de débarquement. La masse imposante d'Xerxes se posta derrière le couvert d'un petit muret décoratif et il fut rejoint par Xénophon. « Pour la discrétion, on repassera. »« T'inquiète, j'ai un plan. »« Rappelle-moi la dernière fois qu'un de tes plans ne s'est pas soldé par un fiasco. » Je m'en souviens plus, mais celui-là est parfait. J'ai fait déployer un Warhawk en périphérie de la ville. On retrouve Craig, on l'embarque et on s'exfiltre. C'est plutôt simple, non? Bon sang, c'est pas un plan, c'est à peine un objectif. Je ne sais pas ce qui m'a pris de t'accompagner, Xerxes. Allez, avoue que t'adores nettoyer derrière moi. Je me suis chargé des grandes lignes, alors je compte sur toi pour gérer les petits détails. C'est ta spécialité, non? Xénophon grogna en signe de désapprobation, et l'un des Space Marines qui les accompagnait fit une percée, croyant voir une menace. Mais il s'arrêta quand il comprit qu'il ne s'agissait en fait que d'un civil à couvert. Il pointa son bolter vers l'auto terrorisé, prêt à ouvrir le feu. Sergent, l'endroit grouille de Xénos, on fait le ménage. On n'a pas de munitions à gaspiller sur des non-hostiles, concentrez-vous sur la mission. C'est une exfiltration, pas une invasion. Tiens. L'Astartes fit tiquer sa langue, comme si le fait d'épargner une de ces créatures chétives provoquait une forme de frustration chez lui. Comprenant qu'il avait une chance de survie, le civil prit ses jambes à son cou et décampa aussi vite qu'il le pouvait. La troupe d'Alpha Légionnaires était peu nombreuse, et de fait, Xerxes n'avait embarqué avec lui que son escouade, et les quelques Astartes prêts à le suivre dans cette mission informelle. Le reste des troupes était resté sur l'Epsilon. Nul doute que le capitaine Darius lui ferait un sermon à son retour. Mais il s'en moquait, il avait déjà perdu un frère, il ne voulait pas perdre en plus un ami. Cela valait bien quelques remontrances. Linda, tu arrives à le repérer? La Psyker se dégagea avec difficulté du module, encore pantelante suite au choc de la descente atmosphérique et de l'atterrissage brutal. Il n'y avait véritablement que des Space Marines pour tenir aussi bien une expérience aussi intense qu'un débarquement en drop pod. Oui, je ressens sa présence, mais elle est diffuse. Comme la connexion d'origine a été coupée, je vais devoir en refaire une. En espérant qu'il ignorera pas mes appels. Pourquoi il t'ignorerait? Ça fait plusieurs jours qu'il est en territoire ennemi sans contact radio, il devrait sauter sur l'occasion. Mon don de télépathie ne fonctionne pas comme un comlink, sergent. Craig va devoir faire la différence entre ma voix et sa voix intérieure. Et sans préparation, il se peut que mes appels se perdent dans le bruit de fond de ses pensées. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Je dois aussi faire attention à ne pas trop forcer pour ne pas attirer l'attention des entités malignées de l'Empyrine. Waouh, dur d'être une sorcière, j'ai rien compris. Linda soupira d'exaspération. Il était toujours difficile de faire comprendre des concepts liés au Warp à des personnes ayant que peu ou prou de résonance dans celui-ci. Pour faire simple, c'est comme si je murmurais pour attirer l'attention de quelqu'un qui ignore ma présence au milieu d'une foule hostile. Ok, j'ai compris, fais au mieux. Est-ce que tu arrives à situer sa position? Plus ou moins, c'est pas facile. Parfait, alors allons-y. L'endroit était humide et sombre, mais pas plus que d'autres lieux que Craig avait déjà fréquentés. En fait, de si loin qu'il s'en souvenait, il n'y avait pas une seule de ses missions qui ne finissait pas à un moment ou à un autre par le faire patauger dans la fange. Au moins cette fois-ci, il n'y avait pas de démons monstrueux ou de culte xénos désireux de le sacrifier à leur divinité. Mais il y avait un Space Marine, et au final, est-ce qu'il gagnait véritablement au change? Son esprit se tourna étrangement vers Linda. Il ne savait pas pourquoi, mais inconsciemment, il ressentait une forme d'inquiétude pour elle. Il se força à ignorer l'image de sa femme ainsi que le son de sa voix pour se concentrer sur ce qu'il faisait. Encore un, c'est le troisième. Craig observa le cadavre dont la majeure partie de la viande avait été retirée. Il se félicita d'avoir convaincu Maria de rester au laboratoire avec la femme Tau. Il n'était pas sûr qu'elle aurait supporté de voir ce spectacle macabre. À en juger par la décomposition, il doit être là depuis un moment. L'endroit est humide et sale. Cela accélère le processus. Nous pensons qu'il est ici depuis 2 ou 3 jours maximum. Penses-tu qu'il est encore dans le coin? Yorok sembla observer autour de lui, imité par les 2 autres Kroot de sa tribu qui les accompagnaient. Mais en réalité, ils se servaient plus de leur odorat que de leur vue, bien que celle-ci soit tout à fait apte à percer la pénombre ambiante. Non, il est sans doute loin. Je suis d'accord avec ça. Il est formé à se cacher, il ne resterait jamais aussi longtemps au même endroit, surtout en laissant des traces aussi visibles. Vous ne surestimez pas un peu le sens tactique de cette créature? Non, pas du tout, c'est un Astartes, mais surtout c'est Artaxerxes. Même parmi ses semblables, il est particulièrement doué. Peut-être, mais sa lucidité a été troublée par son confinement. On ne réprime pas des millénaires d'entraînement militaire, ça fait partie de lui. Établir des stratégies, c'est aussi naturel pour lui que de respirer. Chova haussa les sourcils de surprise face à l'absurdité des échelles de temps mentionnées. Le prenant comme une exagération puérile, il se permit de reprendre l'humain sur son verbiage. Nous ne sommes pas dans une cour d'école, inutile de grossir le trait avec des superlatifs. Cela ne rend pas votre argumentaire plus crédible. Eh bien, on dirait que le grand scientifique a encore des choses à apprendre. Je n'exagère rien du tout. Les Space Marines ont une espérance de vie qui se compte en millénaires. En tout cas, c'est le cas pour ceux que je connais. Je vois. C'est une donnée qui donne le vertige, mais cela explique pas mal de choses. Je vous avoue que j'y prête plus vraiment attention. J'ai toujours eu du mal à me représenter cette échelle de temps. À qui le dites-vous? L'espérance de vie moyenne d'un taux avoisine les 40 ans, même si avec les progrès de la médecine, il n'est pas rare de dépasser cette moyenne. Malgré tout, il me paraît inconcevable qu'une créature complexe puisse vivre plusieurs milliers d'années. Waouh, 40 ans c'est pas long effectivement. Pas étonnant que votre civilisation soit si avancée, pas le temps de chômer qu'on a si peu de temps j'imagine. Peut-être, mais nous n'avons pas vraiment l'impression d'être pressés par le temps, il s'agit de la norme pour nous. De notre point de vue, c'est vous qui devez vous ennuyer à vivre si longtemps. Si seulement j'avais le temps de m'ennuyer, mais je pense que je peux vous rejoindre sur une chose, c'est une question de point de vue. Yorok interrompit la conversation en levant le poing en l'air pour stopper la marche. Chova l'interrogea sur la raison de cet arrêt, non sans exprimer une pointe d'inquiétude. Est-ce le Gue'ron'sha? Non. Des combats au-dessus de nous. Ils se rapprochent. Maria était tendue, elle ne reconnaissait pas ces alertes sonores, et pour elle, qui s'enorgueillissait d'être parfaitement intégrée à la société Tau, cela sonnait comme une blessure d'ego profonde. Talissera n'était pas non plus d'une humeur très positive, bien que pour d'autres raisons. Foutu Chova, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé en arrière? J'ai pourtant toujours été là pour l'aider. Fiovray Galead Bork'an Chova a signalé qu'il avait besoin que vous le couvriez au cas où la caste du feu poserait des problèmes. La caste du feu est sans doute trop occupée pour s'intéresser aux magouilles d'un simple Fiovray. Que voulez-vous dire? Cela a un rapport avec ces alertes qui étonnent en ville? Tal observa Maria avec circonspection. Elle entendait elle-même ces alertes pour la première fois de sa vie, alors pas étonnant qu'une Gue'vesa comme cette humaine ne les connaisse pas. Il s'agit d'une alerte de sécurité militaire, elle implique une menace directe sur Quickstrike, et elle indique que la caste du feu est actuellement engagée dans des combats. Des combats? Sur Bork'an? Je suis aussi surprise et inquiète que toi, mais je n'en sais pas plus, les chasses n'ont pas communiqué la nature de la menace. Maria se mordit la lèvre d'inquiétude. Elle savait que les quartiers auxiliaires n'étaient pas prioritaires en cas de menace extérieure, et la caste du feu privilégiait toujours la sécurité des quartiers intérieurs et des citoyens Tau. Je dois retourner au quartier Gue'vesa, je m'inquiète pour mes amis et les autres humains. Tu as pour instruction de rester au laboratoire avec moi en attendant le retour de Chova et de l'autre auxiliaire, et je vais pas risquer ma vie sur un théâtre de combat pour une Gue'la avec des envies suicidaires. Je vous en prie, je peux pas rester ici en sachant qu'ils sont peut-être en danger. Talissera fixa le visage désemparé de Maria. Il était étonnant de voir à quel point les expressions faciales des Gue'la étaient similaires à celles des Tau, malgré leurs différences physiques évidentes. Tal avait toujours trouvé le faciès des Gue'la disgracieux, avec ses variations de couleurs étranges et cette protubérance molle et humide au milieu du visage. Malgré tout, elle avait du mal à ne pas être sensible à la détresse de celle qui se trouvait en face d'elle. Sans doute un effet collatéral de sa proximité avec Chova, qui ne cachait pas sa curiosité et son attrait marginal pour les races auxiliaires. Je ne sais pas très bien pourquoi j'accepte, mais soit, je vais t'accompagner. Un bolt fusa pour aller exploser dans le crâne d'un guerrier de feu, dispersant sa matière cérébrale dans une brume écarlate. Xerxes lança alors une grenade à fragmentation derrière le couvert de ses adversaires, ayant sans doute mal estimé sa force de lancer en le choisissant. Celle-ci explosa en projetant des morceaux de gravats et de taux aux alentours. On ne progresse pas assez vite, la résistance ennemie est supérieure à celle estimée et elle ne fait que se renforcer. Tu penses que c'est parce qu'on a bousillé la voie publique qu'ils sont aussi énervés? Xénophon ne répondit pas. Il pointa son fusil bolteur de précision et ajusta son tir pour abattre ce qui semblait être le chef d'unité d'une escouade de guerre et de feu en mouvement. L'action déstabilisa celle-ci suffisamment pour permettre à l'un des légionnaires postés à proximité de profiter d'une fenêtre de tir sécurisée et d'abattre le reste de l'unité. Mais déjà d'autres taux arrivaient, se déployant depuis de larges véhicules de transport antigrave. Ils sont trop nombreux, on ne peut pas les affronter de front, il ne faudra pas longtemps pour que du matériel lourd ne soit déployé contre nous. Qu'est-ce que tu proposes? On doit se disperser et utiliser des techniques de guérilla pour les occuper pendant qu'un groupe réduit s'occupera de retrouver ton agent. Ça me paraît bien, t'es volontaire pour les distraire? Comme si j'avais le choix. Prends la sorcière avec toi, je maintiendrai la pression sur les Xénos aussi longtemps que possible. Mais si la situation se dégrade, j'ordonnerai un retrait, avec ou sans toi. C'est de bonne guerre, merci Xénophon. Tu me remercieras quand cette mission stupide sera terminée. La navette se posa sur les baies de l'Epsilon, et Darius sortit de celle-ci en faisant voler sa cape dans les effluves de vapeur des moteurs qui refroidissaient. Il nota tout de suite que quelque chose clochait, des modules d'atterrissage et un Warhawk étaient manquants. Il grimaça et pressa instinctivement le pas pour rejoindre la salle de contrôle, et il y fut accueilli par un légionnaire et par des pleurs d'enfants. Que se passe-t-il? Pourquoi manque-t-il des véhicules et pourquoi as-tu ce bébé dans les bras? C'est-à-dire que c'est un ordre du sergent Xerxes, capitaine. Et le bébé n'arrêtait pas de pleurer, alors j'ai essayé de faire comme la sorcière en le secouant comme ça. Le Space Marine accentua son propos en balançant maladroitement le bébé de gauche à droite, mais sans effet notable sur les pleurs de l'enfant. Cela exaspéra Darius plus qu'autre chose. Quel ordre? Qu'est-ce que cet idiot a encore fait? Cet idiot... je veux dire, le sergent Xerxes a déployé 2 escouades de combat en surface pour une mission d'exfiltration. L'officier de communication Xénophon et la sorcière sont avec lui. Une mission d'exfiltration? Ne me dites pas que... Le légionnaire ne répondit pas, semblant à la fois distrait et désemparé par les pleurs du bébé qu'il tenait dans ses bras. Il se força malgré tout à se concentrer sur son capitaine. Il semblerait que l'objectif soit la récupération d'un agent humain sur la planète. J'aurais dû m'en douter. Préparez l'Epsilon à quitter le système sur mon ordre direct. Vous comptez partir sans eux? Nous attendrons autant que possible, mais je ne permettrai pas que notre cellule soit mise en péril plus que nécessaire. Nous quitterons le système au moindre danger notable. L'Astartes fixa son capitaine avec nervosité. Il remarqua au étendue de ce dernier ce qui lui en coûtait de prendre une telle décision. Il était de notoriété publique que le capitaine Darius était relativement attaché au sergent Xerxes et de facto aux agents humains qui gravitaient autour de lui. Mais la survie de la 13e compagnie était sa priorité absolue et il ne pouvait pas faire passer ses sentiments avant cela. Une chose que Xerxes n'avait toujours compris que trop mal. Le navire à l'apparence approximative accéléra sans se soucier de prudence ou de l'inévitable collision que son approche allait entraîner. Sa coque percuta l'élégant croiseur tôt dans un fracas visuel si violent que, malgré le vide de l'espace, n'importe quel spectateur aurait pu en imaginer le tintamarre. De la fracture béante causée par le choc se déversèrent des centaines d'orques beuglants. Nombre d'entre eux finirent leur course asphyxiés dans le froid glacial du vide, mais les plus chanceux et les plus motivés parvinrent à traverser le corridor de métal à moitié étanche créé par l'abordage cataclysmique. Les guerriers de feu et les membres de la caste de l'air furent pris au dépourvu par l'attaque suicide inattendue. Le vaisseau orc n'avait pas spécialement été en difficulté, et d'apparence il avait même l'avantage dans la bataille spatiale en cours. De fait, cet épronnage kamikaze paraissait tout à fait hors de propos de la part d'un être avec un minimum de sens tactique. Mais le sens commun était une chose ennuyeuse dont ne s'embarrassait pas la plupart des orques. Profitant de l'effet de surprise, les myriades de boys massacrèrent les occupants à coups de kicks coupés de flingues, perforant la coque fragilisée avec leur daka sans se préoccuper des décompressions brutales qui provoquaient la mort d'autant de peaux vertes que de taux. Le navire implosa littéralement sous la pression causée par les vagues de brutalité orcoïde, le tout sous le regard satisfait mais néanmoins teinté de jalousie d'Harlock. C'était le dernier, Captain. Les boys du Yamator ont l'air de bien se marrer. J'ai même pas pu craser un seul bleu. Il y a des orques qui ont survécu à ce baston, je veux qu'on me les ramène pour que je leur tape dessus. Le groupe hétéroclite avait pressé le pas dès l'instant où Yorok avait annoncé que des combats survenaient en surface. En réaction, Chova avait également fait quelques recherches sur sa tablette de données, confirmant ses craintes. Il y a effectivement des combats. L'alerte de sécurité militaire a été déclenchée. Cela signifie que la caste du feu est actuellement engagée au sein même de Quickstrike. Contre qui? Je croyais que les taux ne se battaient pas entre eux. Nous ne le faisons pas. La menace est forcément étrangère. Craig eut une petite idée de l'origine de la menace étrangère. Il n'en connaissait qu'une qui orbitait à sa connaissance autour de Bork'an, mais il se garda bien d'en faire mention. En réalité, cela l'inquiétait. Si l'Epsilon avait lancé un assaut sur Quickstrike, cela signifiait qu'il y avait eu un problème grave avec le déroulement de sa mission. En tout cas, il ne voyait aucune autre raison justifiant une attaque en plein milieu d'une infiltration, et cela lui rappela encore une fois qu'il n'avait pas de nouvelles de Linda depuis plusieurs jours. Cette pensée resta particulièrement prégnante dans son esprit, presque invasive, au point de lui faire ressentir une certaine forme de malaise. Vous n'avez pas plus d'infos sur l'origine de la menace? Non, la caste du feu ne partage pas ce genre d'informations sur les réseaux civils. Mais elle le fait sur ses réseaux internes. Chova esquissa un sourire au sous-entendu de Yorok. Le Kroot le connaissait décidément bien. Il avait effectivement quelques accès au réseau militaire qu'il s'était créé au fil des années dans le cadre de son travail de recherche et développement pour le compte de la caste du feu. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose avec un terminal aussi basique, mais je peux au moins essayer d'accéder aux communications en direct. Le scientifique Tau stoppa alors sa marche rapide, imitée par le reste de la troupe, et il s'attela alors à travailler à son projet. Il lui fallut plusieurs longues minutes pour obtenir un semblant de résultat. Là, j'ai des ordres de déploiement et des communications radio. Les pertes semblent lourdes et l'ennemi oppose une résistance forte. Il semblerait qu'il se soit dispersé dans la ville et le commandement a ordonné le déploiement des exo-armures. Si c'est vrai, l'ennemi doit vraiment être tenace. Craig écouta d'une oreille distraite la retranscription sommaire de ce que Chova parvenait à tirer des échanges d'informations entre militaires. Il avait du mal à se concentrer, comme si son attention était tiraillée entre deux conversations différentes. Jusqu'au moment où le scientifique bégaya sur un ton à la fois surpris et perplexe, confirmant les craintes initiales de l'agent. « L'ennemi est d'origine Gue'la, ce sont des Gue'ron'sha. » Craig n'eut pas le temps de comprendre le mouvement de Yorok et des deux autres Kroot. Le colosse avait bougé à une vitesse similaire à celle d'un Astartes, peut-être même plus, et il avait dégainé son fusil tribal dans un mouvement fluide, plaquant la lame de sa large baïonnette en forme de faucille sous la gorge de l'agent. Dans le même temps, les deux autres auxiliaires s'étaient positionnés entre lui et Chova dans une posture de défense. « Ne bouge pas, humain !»« Je vois pas comment je pourrais. »« Explique-nous cette traîtrise. » Craig fronça les sourcils, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu dire grand-chose. Il ignorait tout de l'attaque sur Quickstrike et des objectifs de la Légion dans celle-ci. Vous en savez autant que moi. Mensonge, les Space Marines sont tes alliés, tu l'as avoué toi-même. Pourquoi cette attaque? La lame du Kroot s'appuya plus fortement sur la gorge de Craig, mais ce dernier ne scia pas, laissant le fil aiguisé lui lacérer la surface de la peau. Chova l'observait fixement dans les yeux, comme s'il tentait de l'analyser. Craig se contenta de le fixer en retour avec un air déterminé. Soit il dit la vérité, soit il est de toute façon prêt à mourir pour la cacher. Yorok émit une sorte de cliquetis guttural, semblable à un grognement d'hésitation. Ses muscles se tendirent, plus dans un effort de ne pas trancher la tête de son prisonnier que d'autre chose. Soudain, la lame quitta la gorge de sa cible, et il se relâcha en rangeant sa longue arme tubulaire dans son dos. Ses subordonnés se détendirent également, obéissant à une sorte d'appel à la tempérance muet de Chova. « Tu n'avais aucune raison de nous amener ici en parallèle de cette attaque. J'en déduis que tes objectifs sont tels que tu les avais énoncés. » Craig se massa la gorge, essuyant le sang qui coulait de sa plaie avec une grimace, puis il répondit au scientifique Tau. « Évidemment, et je n'ai rien à voir avec ce qui se passe dehors. Par contre, ce sont bien mes alliés, et je peux vous assurer que s'ils ont attaqué, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. » Comme quoi? Je l'ignore, mais si je peux vous donner un conseil, vous n'avez pas envie de vous trouver entre un Astartes et son objectif. Je m'en souviendrai à titre personnel, mais la caste du feu ne suivra pas ce conseil. L'épaulière du Space Marine explosa sous l'impact, et il parvint à se mettre à couvert dans une ruelle juste à temps pour échapper au déluge de feu imposé par l'énorme armure turquoise. Pression ennemie trop forte, je bats en retraite. Le rapport dans son casque fit grincer des dents Xénophon, ce n'était pas le premier qu'il recevait allant dans ce sens. Les Tau avaient déployé leurs foutues exo-armures, des machines de guerre résistantes et rapides, dotées en prime d'une puissance de feu totalement invraisemblable. C'était un miracle qu'aucune perte ne soit encore à déplorer dans leur rang, et l'Alpha Légion ne pouvait compter que sur son expérience et sa connaissance de la technologie adverse pour combler l'écrasante supériorité ennemie. Ne prenez pas de risques, évitez les exo-armures et ne tentez pas de les combattre, nous n'avons pas le matériel pour ça. Facile à dire. Le légionnaire se jeta par la fenêtre d'un bâtiment quand l'imposante machine lui coupa la route en débarquant du ciel grâce à ses réacteurs dorsaux. La rue fut noyée dans la lumière des projectiles à plasma et dans la poussière des impacts. Il se releva sans demander son reste, ignorant les civils Tau qui s'étaient recroquevillés dans ce magasin dans l'espoir de se mettre en sécurité. L'hésitation de l'exo-armure attirée, de peur de toucher les civils, fut salutaire, et elle permit au légionnaire de s'éclipser en défonçant une porte arrière de la boutique pour échapper à la vue de son adversaire. Il se retrouva alors dans une ruelle, où il fut intercepté par une escouade de guerriers de feu. Les munitions chargées de plasma ricochèrent sur son armure endommagée, et il braqua son bolter dans la direction de la menace avant de les abattre dans un déferlement de projectiles explosifs. On tiendra pas longtemps à ce rythme. Xénophon pesta dans sa radio en observant aux alentours depuis son promontoire, étudiant le déploiement de force de la caste du feu. Les véhicules lourds venaient s'ajouter aux Crisis et aux guerriers de feu. Cela lui arracha une grimace d'amertume. Nouvelle directive, commencez les manœuvres de repli vers le point d'extraction. Linda se dissimula derrière un muret, rapidement rejointe par Xerxes qui l'imita. Elle sembla perplexe pendant un instant, ce qui attira l'attention du sergent. « Quelque chose ne va pas? T'as l'air perdu. »« C'est rien, mais je ressens une présence étrange. » Xerxes l'observa avec un air interloqué, puis soudain il plaqua la sorcière contre le mur, tandis qu'une escouade de guerriers de feu passait dans la rue proche au pas de course. Heureusement, ils ne les virent pas. « Quelle présence? Quelqu'un qu'on connaît ?»« Je crois, mais je n'arrive pas à dire qui. » Le Space Marine sembla pensif l'espace d'une seconde, mais il recentra sa concentration rapidement, indiquant à Linda qu'il fallait se remettre en marche. Une fois qu'ils furent sûrs que la voie était libre, ils s'engagèrent dans la rue, et l'impact fut moins violent que surprenant contre l'armure de Xerxes. L'Astartes était stoppée par réflexe plus que suite au choc, et il observa la paire de silhouettes à terre qu'il venait de percuter. Il s'agissait d'une femelle taupe et d'une humaine portant des vêtements xénos. Il s'en désintéressa et voulut reprendre sa route, mais Linda resta en arrière. « Je voudrais pas te presser, mais on n'a pas le temps de faire des échanges culturels avec la population locale. »« Sergent, cette femme, c'est celle qui était avec Craig quand la connexion s'est coupée. » Talissera et Maria étaient terrorisées, ne sachant comment réagir face à la masse gigantesque de muscles et d'acier qui avait surgi de la ruelle en même temps qu'elles. Elles avaient attendu que les squads de chasse s'éloignent pour sortir de leur couvert, et a priori elles n'avaient pas été les seules. Maria reprit cependant ses esprits quand elle entendit le nom de Craig dans la bouche de l'humaine inconnue qui accompagnait le géant. « Ouh, vous connaissez Craig? Depuis plus longtemps que vous ?» Le ton de Linda avait été froid et sec, plus qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle avait réagi instinctivement. Xerxes fit marche arrière et attrapa l'humaine par le col comme un chiot avant de la porter sans effort à hauteur de visage pour l'examiner. « C'est vrai qu'elle est mignonne. Pas étonnant que tu te sentes menacée. »« Je ne me sens pas menacée du tout !» Talissera observa la scène sans comprendre ce qu'il se passait. Elle était toujours par terre, figée par la peur, quand le monstre se tourna vers elle sans lâcher Maria qu'il tenait à bout de bras comme un sac de course. « Elle par contre, c'est pas trop son genre. On fait quoi ?»« Vous allez nous tuer ?» Franchement, je vois pas l'utilité, je pensais plutôt à vous demander où se trouve Craig. Craig, c'est le nom de cet auxiliaire, il est avec Chova. Xerxes tourna Maria vers son visage, puis, avec une mine confuse, étrange venant d'un géant de sa stature, il lui demanda « Chova? C'est quoi un Chova ?» Maria ne répondit pas, passablement terrorisée et déconcentrée par le fait que ses pieds ne touchaient plus le sol. Ce fut Linda qui intervint. « Posez-la par terre, sergent, vous lui faites peur. »« Oh, c'est vrai que je suis impressionnant. » Le Space Marine lâcha sa prise, qui tomba à genoux de manière peu agile. Puis Linda l'aida à se relever, tandis que Talissera se décidait également à se remettre sur ses jambes. Elle paraissait moins effrayée, mais la tension restait perceptible dans sa posture, et elle garda ses distances avec les Gue'la. « Chova est le nom de mon ami. Le Gue'la est allé avec lui et Yorok pour tenter de débusquer le Gue'ron'sha. » Xerxes tourna à nouveau son regard vers Maria avec une mine interrogative. « Traduction ?»« Craig est avec un autre taux. » Il cherche un Space Marine dans les égouts. » La mention du terme Space Marine figea Xerxes de surprise, et il perdit son ton et son attitude légère précédente pour un faciès plus sombre. C'est alors que Linda eut une sorte d'illumination. « C'est cette présence, je la reconnais maintenant. C'est le sergent Artaxerxes. »« Où ça ?»« Il se rapproche de Craig. » Le groupe mixte avait repris sa marche dans la pénombre, non sans que l'animosité ne reste perceptible. Malgré le point de trêve, les Kroot semblaient observer Craig d'un air méfiant, et ce dernier avait du mal à ignorer la menace tacite qui pesait sur lui. Il ne s'était pas attendu à une telle agilité de la part d'une créature aussi massive, et ce malgré le fait que cette combinaison paradoxale était monnaie courante chez les Astartes. Peut-être que sa perception de la logique n'avait pas été totalement détruite par le fait de côtoyer des créatures aussi hors normes que des Space Marines. Bon sont les combats. L'avantage semble avoir changé de camp en notre faveur. Des chars Hammerhead et des broadsides ont été déployés, les exo-armures et les chasses quadrillent le secteur. Il semblerait donc que vos mises en garde ne soient plus d'actualité. J'en serais pas si sûr à votre place, la Légion n'est pas du genre à se laisser dépasser aussi facilement. Vous semblez leur vouer une confiance dépassant le cadre militaire. J'ai pourtant cru comprendre que les Gue'ron'sha étaient avant tout des armes. C'est ce que je croyais moi aussi, mais ils sont bien plus que cela. On dirait pas au départ, mais ils ont des émotions aussi, même si elles sont parfois tordues par leur perception étrange des priorités. Pourquoi travaillez-vous pour eux ? Craig hésita. Il voyait bien que sous le couvert de la conversation, le taux essayait de lui tirer les vers du nez. Mais il ne s'en offusqua pas, c'était logique. Et dans une situation similaire, il aurait certainement fait la même chose. Il s'est passé pas mal de choses. À l'origine, je servais l'Imperium, mais j'ai retourné ma veste quand j'ai compris que la cause de la Légion valait plus le coup d'être défendue. Je vois, de l'idéologie. Votre espèce est très prompte à s'entretuer pour de simples opinions. Ce ne sont pas que de simples opinions. D'une certaine manière, si je me bats, c'est aussi en partie pour vous, et pour toutes les espèces de la galaxie. Que voulez-vous dire ? L'objectif de la Légion, c'est de vaincre le chaos, et d'en détruire l'emprise sur le Materium, mais d'une manière différente de celle de l'Imperium. Le chaos, vous en avez déjà parlé avant, c'est une race extraterrestre ? Ce sont les démons du Warp, des entités surnaturelles désireuses de détruire notre univers. Ils prennent possession de nos âmes et retournent nos émotions contre nous. Chova haussa un sourcil, ses propos lui paraissaient fortement empreints de superstition. Cela ne l'étonnait pas, les Gue'la avaient aussi cette propension à prendre pour une réalité des choses clairement hallucinatoires. D'une certaine manière, c'était pathétique pour une race se voulant civilisée. Vous n'avez pas l'air de me croire. J'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse se battre contre des mirages. Des mirages ? Le chaos a une influence bien réelle, vous ne pouvez pas l'ignorer. Les taux ne perçoivent pas la corruption du chaos. Ils sont immunisés à ses effets. Nous ne pouvons pas être immunisés à quelque chose qui n'existe pas. Ce que l'on perçoit quand on voyage dans l'autre plan, ce ne sont que des hallucinations, sans doute causées par des phénomènes relativistes. Yorok haussa des épaules et n'ajouta rien, laissant Craig et Chova dans un silence gênant. Étrangement, l'audition des propos de Craig semblait avoir mis un terme à son animosité. Il stoppa soudain sa marche et Chova demanda. « Encore des combats ? » ?»« Non, ne bougez plus. Ils nous observent. » Il sentait la présence d'une proie, mais il n'avait pas faim. Ce qui l'attirait était cette créature semblable à celle qu'il avait épargnée tantôt. Elle lui ressemblait, et il lui paraissait la connaître, pas comme il se connaissait lui-même, mais comme un étranger à soi qu'il aurait côtoyé pendant un court laps de temps. C'en était la raison, ce qui faisait qu'il s'était rapproché de ce groupe de créatures qui le traquaient sans nul doute, la curiosité. Les créatures s'étaient stoppées dans leur marche, et l'une d'elles, plus massive que les autres, sembla scruter les alentours, avant d'émettre des sons avec son bec crochu. En tant que prédateur, il savait reconnaître la tension qui habitait une proie aux aguets, mais il ne la reconnaissait pas ici. Cette posture, cette aura, c'était celle d'un chasseur. Il grimaça dans les ténèbres, montrant ses crocs à nul autre que son propre ego. Yorok plissa les yeux, tenant le manche de son fusil Kroot, prêt à le dégainer au moindre danger. Chova s'était mis à couvert derrière les deux autres auxiliaires, et Craig pour sa part se posta à côté de Yorok. Vous l'avez senti ? Oui, nous ressentons la chasse. Tout se passa extrêmement vite, l'ombre fusa depuis un couvert improbable, et tel un éclair noir, elle se rua sur l'un des Kroot qui protégeait Chova. Une main métallique, rouillée et couverte de crasse, agrippa la gorge de l'auxiliaire avant de l'arracher et de saisir l'arme tribale du défunt. Le second Kroot se jeta sur lui et son fusil rencontra celui de son camarade mort dans le fracas du bois et du métal. Chova se jeta à genoux sur le sol, se couvrant le crâne par réflexe quand les deux colosses échangèrent des coups à une vitesse impensable. La passe dura moins de 2 secondes avant que la faucille brillante ne fende l'air dans un mouvement rotatif, sectionnant la carotide du Kroot qui s'effondra. Le tueur n'eut cependant pas le temps de contempler sa victime, car déjà Yorok fondait sur lui. La musculature impressionnante, 2 fois plus massive que celle d'un Kroot normal, le percuta de tout son poids, et le sol trembla à l'impact quand il fut projeté en arrière contre la paroi crasse de l'égout. Yorok poussa un ululement puissant en brandissant son arme au-dessus de sa tête, tout en laissant l'occasion à Craig de se jeter sur Chova pour le dégager de la voie, quand l'Astartes chargea son adversaire en réponse. Les deux titans se rencontrèrent une nouvelle fois quand leurs armes s'impactèrent dans un craquement sinistre. Ils luttèrent quelques instants dans un affrontement de puissance brute, mais malgré sa force colossale, Yorok ne put maintenir très longtemps la pression imposée par le Space Marine couvert de boue et de détritus. Il grimaça avant de cliqueter à l'attention de Craig. « Emmenez le maître en sécurité. Cette chose est un danger plus grand que ce que nous avions estimé. » Chova observa son serviteur avec incrédulité, encore sous le choc de ce qui venait de se passer en l'espace d'à peine 5 secondes. Il se sentit soulevé de terre quand Craig le tira en arrière, le forçant à s'éloigner. « Yorok !» Le toélu humain courut à en perdre haleine dans les corridors humides, ne cherchant qu'à s'éloigner du bruit des combats sans vraiment savoir où ils allaient. Le cri guttural de Yorok résonna alors avec puissance dans tout le réseau d'évacuation et fut suivi par un silence de mort. Chova tomba à genoux, le souffle court et suant à grosses gouttes. Craig le laissa choir sur le sol boueux, plus inquiété par le danger qu'il courait que par la gestion de l'endurance approximative du taux. « Qu'est-ce que c'était ?» Artaxerxes, aucun doute là-dessus, j'ai reconnu son bionique. « Mais vous aviez dit qu'il était votre ami, Yorok, il l'a. » « Cette fois-ci, c'est vous qui aviez raison, il n'avait pas son comportement normal, nous sommes en danger. » Allons-nous faire ? » Craig ne répondit pas et ramassa sans grande conviction un morceau de métal vaguement aiguisé sur le sol avant de le faire jouer devant lui comme un couteau pour en estimer l'équilibre. Puis il fit face à l'obscurité. Il n'avait aucun espoir de victoire face à un Space Marine, qui plus armé seulement d'un simple bout de ferraille. Mais s'il devait mourir aujourd'hui, il ne le ferait pas sans se battre. Le bruit caractéristique de pas dans la fange se fit alors entendre, se rapprochant d'eux, et la silhouette de plus de 2 mètres d'Artaxerxes se détacha dans les ténèbres comme celle d'un démon. Chova poussa un gémissement plaintif, et Craig grogna en reconnaissant les traits de son sergent sous l'épaisse couche de boue et de déchets qui le recouvrait, telle une armure fangeuse. L'arme Kroot qu'il avait volée à sa précédente victime était brisée en deux, couverte d'un sang noir et épais, la faisant ressembler à une sorte de serpe brutale empoignée par un monstre. « Sergent, c'est moi, Craig. On dirait que vous êtes un peu grognon. Une tisane vous ferait du bien. » Artaxerxes continua d'avancer sans réagir aux traits d'humour. Son regard ne présentait plus qu'une froide détermination, une volonté indescriptible ne servant qu'à mouvoir le mastodonte dépourvu aussi bien de morale que de vêtements. Craig se positionna de manière instinctive entre le monstre et Chova. « Je vous dirais bien de courir, mais au point où on en est, ça servirait plus à rien. » L'humain se tendit en brandissant son arme improvisée devant lui, quand la masse de muscles se rua en avant, à une vitesse que jamais il ne pourrait égaler. Il ferma les yeux, prêt à recevoir la mort, quand soudain, l'air vibra sous l'impact d'un cri. « Arta !» Xénophon effectua un bond impressionnant depuis le toit d'une bâtisse, effectuant une roulade à l'atterrissage. Il se releva sans attendre, saisissant par la tête l'auto-surpris qui tourna son arme vers lui. La poignée de fer du Space Marine projeta le malheureux soldat de côté avant de lui enfoncer le crâne dans un mur, puis il reprit sa course. « Je me dirige vers le point d'extraction, des nouvelles du sergent Xerxes ?» Il y eut un temps de latence, suivi d'un grésillement dans sa radio avant que l'un des Space Marines réponde, sa voix couverte par le bruit des combats alentours. « Aucune, silence radio, il est injoignable. » Continuez les manœuvres de repli et semez les assaillants. Ne laissez pas les taux situer le point d'extraction. On fait ce qu'on peut, lieutenant, mais ils sont aussi collants que des grogs sans chaleur. Xénophon bifurqua dans une direction opposée à celle où se trouvait le Warhawk, plusieurs kilomètres plus loin, dissimulé en dehors de la ville. Il venait de noter la présence de guerriers de feu, et ces derniers l'avaient également remarqué. Ils le prirent en chasse sans savoir que leur proie était en fait le prédateur. Quand les taux s'engagèrent dans la ruelle en se mettant à couvert, ils furent accueillis par l'explosion d'une grenade fumigène qui leur bloqua totalement la vision. Xénophon passa alors les lentilles de son casque en perception thermique et fondit comme un rapace dans le brouillard artificiel pour massacrer ses ennemis au corps à corps. Il était une chose qu'il avait remarquée au sujet des taux, c'était que malgré leur technologie et leurs armes développées, ils étaient de très piètres combattants en mêlée, même sans se comparer à un Astartes. Et ils comptaient bien profiter de cette faiblesse. La lame de son couteau de combat, aussi bien que ses poings, firent un mort à chaque touche, et il ne fallut que quelques secondes à l'officier de communication pour éliminer la menace. Il laissa alors tomber une petite balise maîtrise sur le sol, puis il piétina sans vergogne les cadavres de ses victimes, tandis qu'il reprenait sa course en vérifiant que personne d'autre ne le suivait sur son Auspex. Il fut alors rejoint par d'autres de ses hommes, et ils prirent la direction du Warhawk. « Où en sont les troupes ennemies ?» Xénophon pianota sur son terminal d'avant-bras avant de répondre, tout en analysant les données en temps réel. « Il semblerait qu'elles réagissent aux leurs, elles convergent vers le centre-ville, comme prévu. C'était une bonne idée. On sera déjà loin quand elles comprendront qu'ils poursuivent du vent. L'environnement avait changé pour une steppe rocailleuse, sillonnée de canyons et d'arbres secs. On pouvait voir de nombreuses installations agricoles à l'horizon, mais les Space Marines s'engagèrent dans l'un des canyons, sans cesser de courir à leur vitesse maximale. Le Warhawk est à moins d'1 kilomètre. Une fois à bord, on essaye de joindre Xerxes une dernière fois, puis on avisera. Soudain, la troupe d'Astartes se stoppa quand elle fit face à un mur composé de plaques d'armure turquoise et d'armes lourdes. Une demi-douzaine d'exo-armures leur bloquait le passage, et derrière eux d'autres surgirent du néant en désactivant leur camouflage optique pour leur couper la retraite. L'une des Crisis s'avança alors vers eux d'un pas menaçant. Rien n'est plus simple à chasser qu'une proie qui fuit. La forêt était calme, à peine perturbée par le bruit des insectes et des oiseaux, mais la sérénité des lieux était régulièrement brisée par le son mat d'une percussion métallique, la sonorité caractéristique du métal frappant du métal. Une nuée de volatiles se dispersa par-dessus la canopée quand l'un de ces chocs se fit plus violent que les autres. La lame de fer brut avait rencontré son homologue et les deux restèrent pressés l'une contre l'autre dans un concours de force. « Tu t'es amélioré, petit frère. Pas autant que toi. » Les deux armes se dégagèrent et furent suivies par un échange de coups, facilement parés par l'un et l'autre des deux enfants. Ils se tournèrent alors l'un autour de l'autre dans une posture aussi similaire que leur visage. L'un des combattants affichait un large sourire, tandis que l'autre n'exprimait qu'une froide concentration. Le jumeau le plus enjoué se rua dans un nouvel assaut, puis après quelques passes d'armes violentes, il fut désarmé par son adversaire dans un moulinet qui acheva la course de sa lame sous la gorge du vaincu. « C'est bon, j'abandonne, je fais pas le poids contre toi. » « Tu pourrais, si tu t'en donnais les moyens, nous avons les mêmes capacités. Et finir morose comme toi, non merci, Eurydice tirerait la gueule si je passais mon temps à m'entraîner comme toi. Tu ne prends pas ton rôle au sérieux, Xerxes. Nous sommes des élus du clan, quand les dieux reviendront, nous devrons être prêts à surmonter les épreuves. Tu devrais passer plus de temps à t'entraîner, et moins à ennuyer les servantes. » Xerxes observa son frère avec un mélange de pitié et d'admiration. Il ne comprenait pas l'abnégation d'Artaxerxes, mais il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une sorte de fierté filiale à l'égard de son jumeau. Une chose qu'il ne lui avouerait sans doute jamais. Quand Artaxerxes retira sa lame de sa gorge, il ramassa sa propre épée sur le sol, avant de jouer avec de manière désinvolte. « Pourquoi faire tant d'efforts pour des dieux qui n'existent peut-être même pas? S'ils ne viennent jamais, ça te fera une belle jambe d'être le plus fort. »« Je ne le fais pas pour les dieux. » Xénophon braqua son bolter sur la Crisis dominante, et il fut imité par l'ensemble des exo-armures présentes qui tinrent en joue la dizaine d'Astartes piégées. Inutile de précipiter les choses, vous allez mourir de toute manière. Mais avant de vous exécuter, j'aimerais savoir ce que vous êtes venu chercher sur Bork'an. Des ennuis de toute évidence. Odahu ricana à la répartie du Space Marine, puis il baissa ses armes, comme pour inciter son homologue à faire de même. Xénophon n'en fit rien, cela ressemblait plus à une provocation qu'à une véritable volonté de calmer le jeu. Le taux continua alors sur son ton sardonique. Les éthérés semblent considérer que toutes les races de la galaxie méritent de s'éveiller au bien suprême. Alors prouvez-moi que vous êtes capable d'agir en guerrier honorable plutôt que comme les bêtes sauvages que vous êtes. Admettez votre défaite et dites-nous vos objectifs. Je ne vois pas d'honneur à me rendre et à discuter avec un xénos antipathique. Eh bien tant pis, je n'aime pas les Gue'la de toute manière. Vous êtes rustes et crasseux, illogiques. Si cela ne tenait qu'à moi, je n'aurais jamais accepté aucun d'entre vous dans notre empire. Je me contenterai donc de votre mort, à défaut de votre parole. » Odahu leva son canon d'avant-bras vers Xénophon, mais il n'eut pas l'occasion d'ouvrir le feu. Son attention et celle de toute l'assemblée se leva vers le ciel, quand le fracas d'une descente atmosphérique se fit entendre, embrasant la voûte céleste dans une tempête de feu. Des rochers grands comme des immeubles s'écrasèrent de manière aléatoire sur Bork'an, creusant autant de blessures brûlantes à sa surface. Et plusieurs de ces rocs apocalyptiques choisirent Quickstrike comme cible de leur atterrissage destructeur. Shas'o Odahu, attention, lieutenant! Le cri d'alerte fut donné juste à temps pour que le commandeur active ses propulseurs et ne fasse un bond en arrière, imité par Xénophon, quand l'un des météores géants s'écrasa entre les Astartes et les taux dans une explosion de débris et de gravats. La fumée se dissipa rapidement dans le vent sec, et à présent qu'il était immobile, au milieu du cratère et de la poussière provoquée par sa chute, le bolide minéral apparaissait pour ce qu'il était vraiment. Un mélange improbable de pierre et de métal, agencé de manière approximative et doté de réacteurs géants et pétaradants, peints dans une truculente couleur bleue parsemée de taches de rouille et de brûlures. Une des lourdes plaques de métal du roc fut alors brutalement projetée en avant d'aller s'écraser sur l'une des exo-armures proches. La machine tôt endommagée et coincée au sol tenta de soulever le projectile incongru pour se dégager. Mais ce fut cet instant que choisit l'un des occupants du roc pour sauter sur ce dernier, achevant la pauvre victime du hasard dans un craquement de métal et de pierres brisées. Je suis vénère, il y a plein de trucs à craser ici. Je savais bien que peindre ce roc en bleu, c'était une bonne idée. La silhouette flambant neuve de l'Epsilon paraissait calme dans le vide spatial. Ces corridors grouillaient pourtant d'activité depuis l'annonce de la victoire sur Ulanor. Et il y avait des rumeurs attestant qu'Horus Lupercal des Lunavolf était pressenti pour devenir le nouveau maître de guerre de la Grande Croisade, en remplacement de l'Empereur. Mais il semblait également que la Légion ne participerait pas à ce triomphe. La cage d'entraînement résonna du fracas des armes qui s'entrechoquaient, et le torse imposant du combattant laissa choir quelques gouttes de sueur sur le sol matelassé. « Allez Arta, ne me dis pas que cette histoire te chafouine !»« Ça ne m'intéresse pas. » L'épée d'Artaxerxes frappa au travers de la garde de son frère, en taillant son épaule dans un filet de sang épais qui tacha les barreaux de la cage. Xerxes grinça des dents en reculant et en plaquant sa main libre sur sa blessure. Après quelques roulés d'épaules, l'estafilade cessa de saigner, et il soupira. « C'est la fête, on a gagné. Même le sergent Darius a esquissé un truc qui ressemblait à un sourire. Alors arrête de faire la gueule, la grande croisade est finie. »« On a gagné, et après ?»« Comment ça ?»« Ne me dis pas que t'as pas remarqué, le primarque était tendu, pourquoi a-t-il refusé l'invitation ?»« Il n'aime pas ces cérémonies, tu le sais bien. » Artaxerxes sembla pensif l'espace d'un instant. Il observa la garde de son épée avant de serrer le poing et de la lancer par terre, juste devant Xerxes. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Tu t'es cogné la tête ? C'est une épée, idiot. Sans un bras pour la tenir, moi je ne vois qu'un vulgaire bout de métal. » Xerxes scruta son frère sans comprendre. Ce dernier continue d'observer sa main à présent vide. Il ouvrit celle-ci avant de la refermer, comme s'il analysait ce mouvement pourtant simple. Une arme sans un guerrier pour la manier n'en est pas une, et un guerrier sans une guerre à mener ne vaut pas plus. Il y aura toujours l'Imperium à défendre, c'est juste que on aura plus de temps libre. Nous sommes des guerriers, Xerxes. Non, nous ne méritons même pas ce titre, nous sommes juste des armes obsolètes. Nous ne pouvons vivre dans un Imperium en paix, et nombreux sont ceux à l'avoir compris. Le triomphe du Lanor, ce n'est pas notre victoire, c'est notre fin. Xerxes fixait son frère dans les yeux, sans reconnaître celui qu'il avait connu. Seule la folie habitait ce regard animal et sauvage. Le Space Marine baissa les yeux vers le morceau d'étoffe noué autour de son avant-bras. Ses yeux s'embrumèrent l'espace d'un instant, mais il retrouva rapidement sa concentration. « Arta, c'est vraiment toi ?» La créature ne répondit pas, elle semblait perturbée, comme un animal pris au piège. Elle serra les dents dans une posture agressive, et la pression sur le manche de son arme brisée se fit plus forte. Il ne savait pas pourquoi, mais celui qui lui faisait face lui ressemblait, bien plus que les autres. Il le connaissait, aussi bien qu'il se connaissait lui-même. Mais il n'en était plus à se poser des questions, il avait le goût du sang dans la bouche, et tout son corps tremblait d'une impérieuse envie de tuer. Il poussa un hurlement rauque quand son corps se jeta vers Xerxes. La faucille fila comme un éclair et l'Astartes eut à peine le temps de dégainer sa lame pour bloquer celle de son frère. Le monstre n'en resta cependant pas là et les coups plurent sur lui à une vitesse phénoménale. Malgré sa bestialité, Xerxes pouvait voir le style de son frère dans les assauts du monstre, ce qui accentua encore son amertume. Il fut projeté en arrière et la lame de la faucille se pressa au niveau de sa gorge, seulement bloquée par une parade in extremis du Space Marine. « Arta, arrête, je suis ton frère, tu me reconnais pas ?» Xerxes repoussa le monstre et la terre trembla, faisant se fissurer les parois de l'égout dans une vision d'apocalypse. Linda et Maria profitèrent de la mêlée pour rejoindre Craig. Ce dernier était tombé à genoux dans un relâchement de pression extrême, au moment où Artaxerxes avait interrompu son assaut sur lui. « Craig, tu vas bien ?» Il reprit ses esprits, au moment où sa femme l'agrippa par les épaules. « Linda, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle le frappa du poing sur le haut du crâne pour toute réponse avant de s'énerver en braillant. « Je suis venu te chercher, abruti, pourquoi tu répondais pas à mes appels psychiques ?» Craig se frotta le crâne dans un état second, puis il observa le combat de titans qui se déroulait devant eux. Il remarqua alors que le sol ne tremblait pas en accord avec les mouvements des deux Astartes. « Il se passe quelque chose à l'extérieur. » Ce fut Chova qui offrit une réponse à l'inquiétude de l'agent, pianotant sur son petit terminal de données. « Il y a une attaque sur Quickstrike. » « Ça, on le savait déjà. »« Non, pas les Gue'ron'sha. Ce sont des Béguels. »« Des quoi ?»« Des orques !» La terre trembla encore avec plus d'insistance, comme pour valider la terrible information. Linda aida alors Craig à se relever, puis elle continua. « C'est pour ça qu'on est là. On voulait te ramener avant que les Peuvert n'arrivent. Il faut partir, tout de suite. » Craig jeta un regard à Xerxes, toujours occupé à contenir les assauts de son frère. Puis il cria à son attention. « Sergent ! Linda, emmène-le. Je m'occupe de retenir cet idiot d'Arta. » « On va pas vous laisser là, sergent! Des orques envahissent la planète !» Xerxes para de justesse une attaque, bloquant son adversaire dans une prise solide tout en grimaçant sous l'effort. « C'est pas quelques orques qui vont me faire peur, casse-toi !»« Mais... je t'ai dit de te casser !» Linda attrapa son mari par le bras et le tira dans la direction opposée, suivie par Maria, Talissera et Chova qui n'eurent pas vraiment besoin d'être convaincus. Xerxes poussa un hurlement au moment où il projetait son frère par-dessus son épaule de toutes ses forces, l'envoyant plonger dans l'eau noire du réseau d'évacuation de la ville. Après quelques instants de silence, la surface se brouilla et la silhouette d'Artaxerxes fendit les eaux pour lui faire face. Il avait lâché sa faucille pour brandir une barre de métal épaisse, semblable à une épée. Est-ce que ton bras en fait une épée, ou est-ce que ce n'est qu'un bout de métal ? Les écrans de contrôle de la passerelle grouillaient de points rouges, clignotant sans discontinuer sous le regard tendu de Darius. Plusieurs Astartes se trouvaient sur le pont, observant leur capitaine dans une nervosité muette. L'un d'eux se força alors à briser le silence. « Capitaine, on ne peut plus attendre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les orques ou les tonneux découvrent notre position. »« Il est déjà trop tard. Nous serons détectés dès l'instant où nous bougerons. Quels sont les résultats de la transmission vers le point Oméga 3 ? » « Aucun résultat, capitaine. Silence radio. Je pense qu'avec le brouillage, le message ne l'aurait pas parvenu, ou alors ils l'ont ignoré. » Et concernant la situation en surface ? Un ordre de repli a été prononcé par l'officier Xénophon avant la coupure des communications provoquée par le blocus Orc, mais le Warhawk 13003 n'a jamais décollé. Darius resta de marbre, analysant ses options. Il avait eu une occasion de partir, mais il n'avait pas réussi à donner l'ordre, et l'Epsilon se retrouvait à présent dans une situation épineuse. Il avait cependant eu une possibilité de retourner la situation favorablement, une possibilité qui tenait plus du pari que d'autre chose, compte tenu de l'échelle apocalyptique de l'invasion. Mais malheureusement, sa tentative semblait également avoir échoué. Les communications avaient été coupées dès l'instant où la flotte orque était entrée en orbite, parasitant tous les réseaux de manière involontaire par la saturation et les interférences causées par leur technologie primitive, et empêchant ainsi la Légion d'obtenir le résultat du message de détresse qu'ils avaient envoyé. Et en réalité, il y avait peu de chances qu'ils n'aient simplement atteint sa cible, car même leurs instruments de navigation étaient en peine du fait de ces interférences chaotiques. Il ne faudrait que peu de temps pour que le hasard ne fasse tomber l'Epsilon au contact d'un vaisseau orc. « Donnez-moi la localisation correspondante à la dernière transmission entrante. » Plusieurs dizaines d'orques s'extirpèrent de la carcasse du roc aménagé ayant servi à leur atterrissage sur Bork'an, se regroupant autour d'Harlock avec des faciès de demeurés cherchant à saisir la situation. D'autres affluaient également depuis plusieurs autres points du canyon. « Lieutenant, quels sont vos ordres ?»« Ne bougez pas, ayez l'air le moins menaçant possible. Il ne faut surtout pas qu'on devienne le centre d'attention de ces orques. » Harlock posa le pied sur l'exo-armure brisée sous lui, avant de l'écraser du talon comme s'il piétinait un simple mégot. Celui-là, il est mort, quoi qu'ils sont les autres. Son regard de brute jaugea l'assemblée autour de lui. Il s'attarda vaguement sur les taux, mais il plissa les yeux dans une incompréhension palpable quand sa vue accrocha l'Alpha Légion. Ceux-là, ils sont bleus, mais c'est pas des bleus. On dirait que c'est des Space Marines, Captain. On dirait des Space Marines. Pourquoi il y a des hommes en conserve sur cette planète? Xénophon serra la poigne de son bolter, évitant de faire le moindre geste brusque. Mais cela ne suffit pas à échapper à l'attention du pauvre massif qui laissa libre cours à sa curiosité. « Hé, le Space Marsouin, pourquoi toi et tes boys êtes là? Vous êtes pas avec les bleus, si ?» L'officier hésita, puis il répondit alors qu'après avoir étudié d'un regard la réaction de ses hommes autour de lui. Absolument pas, en fait c'est plutôt l'inverse. Harlock fronça les sourcils dans une mimique d'intense réflexion. La voix de Snapgit lui siffla alors dans les oreilles. L'inverse, ça veut dire qu'ils sont pas avec eux, Captain. Je le savais, ferme-la, avorton. Vous les hommes, vous bougez pas, je suis là pour taper sur les bleus, alors allez attendre votre tour et je vous craserai ensuite. Le boss orc ne put pas le voir du fait de son casque, mais Xénophon leva un sourcil de surprise devant l'attitude inattendue du peau verte. L'un de ses hommes murmura. On fait quoi? Xénophon n'eut pas le temps de répondre. Le big boss poussa un cri de guerre tonitruant, imité par ses sbires qui levèrent leurs armes en tirant à tout va, et la charge qui suivit fut accompagnée par le feu des armes à plasma Tau qui s'ajoutèrent au vacarme. L'officier de communication cracha alors. On décampe. Les Astartes fondirent vers le couvert le plus proche, provoquant la réaction des toits à proximité qui ouvrirent le feu contre eux. Mais l'assaut des orques fut suffisamment pressant pour que la puissance de feu des exo-armures ne se détourne vers une menace bien plus directe. C'est moi qui tu peux voler, empêche-les de décarrer! Une bande d'orques couverts de bibelots et de gadgets en tout genre se positionna alors en brandissant de larges armes ressemblant à des lance-roquettes. Ils ouvrirent le feu dans les airs et plusieurs des projectiles fusèrent de manière aléatoire au-dessus des taux, dans une explosion de fumée et de bruit de combustion. Les missiles explosèrent alors, dispersant de larges filets de métal qui tombèrent sur les Crisis au moment où ces dernières voulurent prendre la voie des airs. Je vous ai bien eu, je suis le plus fort et le plus malin! Harlock bouscula l'un des boys ayant cloué les taux au sol, avant de charger les machines immobilisées. Plusieurs tirs vinrent le frapper, certains ricochant sur son armure lourde, d'autres brûlant sa chair tannée couverte de cicatrices. Il n'y prêta même pas une once d'attention. Son large qui-coupe trancha à la fois la maille et le blindage d'une première exo-armure qui explosa après avoir été fendue en deux. Une autre pointa son canon à bout portant vers l'orque géant, mais ce dernier dévia l'arme brûlante à main nue, avant de mettre un coup de crâne d'une violence inouïe à la Crisis empêtrée. Il fut alors rejoint par des myriades de boys qui, malgré leur perte, continuaient de charger vers les taux désemparés. « Chance Odahu, ils sont trop nombreux, on ne peut pas les contenir !» Le commandeur pesta depuis le promontoire rocheux où il avait pris position lors de l'atterrissage du roc. Il effectua alors quelques tirs qui firent tous mouche, abattant des peaux vertes ayant eu la mauvaise idée de charger dans sa direction. « Maintenez la position, j'ai envoyé une demande de renfort à Quickstrike !» Odahu observa le champ de bataille chaotique, toujours plus d'or que sortaient de leur équivalent minéral d'un module d'atterrissage. Il pointa alors ses armes vers lui, activant un pointeur laser auquel réagirent plusieurs taux à proximité. « Concentrez vos tirs sur cette cible !» Les exo-armures broadside, plus lourdes que les Crisis et se trouvant à bonne distance du gros des combats, déployèrent de gigantesques canons électromagnétiques qui commencèrent à accumuler de l'énergie. Les tirs qui suivirent provoquèrent un bang supersonique et qui claqua de nombreux orques au sol avant que les projectiles ne frappent la structure du roc, le brisant en deux dans un fracas assourdissant. Il y eut un moment de latence, puis l'immense rocher explosa en projetant son contenu incandescent aux alentours. Malheureusement, tous les orques qui survécurent à la déflagration se relevèrent sans s'en émouvoir, poussés par la frénésie du combat, et ce malgré des blessures allant jusqu'au démembrement pour certains. Xénophon abattit un orque trop téméraire d'un bolt dans le crâne, avant d'étudier le champ de bataille en cas d'une voie de repli vers leur Warhawk. Il analysa la situation avant de finalement donner des ordres de déploiement à ses hommes, qui s'exécutèrent. « Vous êtes sûr que vous voulez pas attendre notre tour, lieutenant ? » « Ça ira, je n'aime pas les files d'attente. » Une bande d'orques acheva de démembrer une Crisis en arrachant le pilote de son cockpit, avant de le piétiner sans pitié sous leurs bottes cloutées. Puis l'un des peaux vertes, plus détaché de la bande, remarqua le mouvement des légionnaires et beugla. « Hé, les Space Marines se font la malle !» Le cri alerta tous les orques à portée de voix dans le brouhaha de la bataille, et la plupart se jetèrent vers les Astartes sans véritablement se soucier de leur propre sécurité. Une moitié des légionnaires formèrent un rang pour intercepter les ennemis vociférants et ouvrir le feu dans la masse compacte de muscles et de métal. Plusieurs orques tombèrent, puis, tandis que les Astartes rechargeaient leurs armes, la seconde moitié s'interposa en dégainant leurs couteaux de combat pour bloquer la vague ennemie. Le choc fut d'une violence rare, mais les Space Marines n'en étaient pas à leur coup d'essai, et ils l'encaissèrent avec vaillance, massacrant chaque orque qui passait à portée de lame ou de pistolet bolter. Cependant, alors que plus de peaux vertes tombaient sous les coups des légionnaires, le carnage ne fit qu'accentuer leur agressivité, motivant toujours plus d'orques attirés par la perspective d'une baston encore plus brutale. Merde, on dirait que les tuer ça va pas être suffisant. Craig, Linda, Chova, Maria et Talissera couraient dans les corridors putrides des égouts de Quickstrike. Le bruit du combat entre Xerxes et Artaxerxes s'était tu, mais il était largement contrebalancé par le vacarme de la bataille se déroulant au-dessus d'eux. Linda sortit alors un pistolet laser de sa tunique et le lança à Craig, toujours maussade à l'idée d'avoir laissé son sergent en arrière. « Tu risques d'en avoir besoin. »« T'en as un pour toi ?»« Non, mais j'ai mieux, tu te rappelles ?» La Psyker tapota sa tempe d'un air entendu, et Craig vérifia le chargeur de son arme avant de hocher de la tête. Talissera ne sembla pas partager l'optimisme des deux humains. « Vous ne comptez quand même pas affronter des orques avec ces armes primitives ?»« Bah, ils sont plus primitifs que nous, et puis quoi, vous préférez qu'on se batte sans armes ?» Tal écarquilla les yeux devant l'humain dénué de bon sens qui avait éclipsé volontairement le fond de sa question. Chova posa alors la main sur son épaule, il était encore tremblant, mais il s'efforçait de maintenir son sang-froid malgré la situation qui le dépassait. « Je crois que cela dépasse notre expertise, Tal. Faisons confiance à ces gue'la pour le moment. » « Mais c'est de la folie, j'ai lu les livres d'histoire, ce sont des monstres deux fois plus grands qu'un !» Le plaidoyer de la scientifique fut coupé par un bruit au-dessus d'elle, et une bouche d'égout fut alors retirée, la laissant dans la lumière de la surface. Le crâne massif d'un orque se faufila alors dans l'ouverture béante avec un sourire hagard. « Je savais bien que j'avais entendu un truc, il y a d'autres bleus ici !» Il y eut un déclic, suivi du fracas d'une décharge laser réglée à puissance maximale, couverte par le cri d'effroi de Talissera quand l'orque au crâne fumant tomba la tête la première à côté d'elle. Craig agrippa l'échelle à proximité et lança un regard moqueur à la Xénos encore sous le choc. Bof, il avait pas l'air si grand. L'arme improvisée d'Artaxerxes fusa avant de percuter l'épée de son frère, qui para le coup d'une violence peu commune. Il y eut un nouvel échange, provoquant des gerbes d'étincelles qui illuminèrent la pénombre des lieux. « Arta, arrête de faire semblant! Tu vas pas me faire croire que tu m'as oublié! Pas avec ma tronche de beau gosse !» Malgré le trait d'humour, Xerxes affichait un visage tiré par l'anxiété. Le monstre ne broncha pas, continuant d'assaillir sa cible avec la même intensité et forçant celle-ci à reculer sous la pression de ses attaques. Ils finirent, à force de mouvement, par déboucher sur un pont d'acier, dans une vaste salle où de nombreuses canalisations géantes déversaient leur contenu impropre dans une vaste cavité, comme autant de cascades fangeuses. « Oh, c'est pas la peine de t'énerver, je te rappelle que t'es mon jumeau, t'es censé être aussi beau que moi, enfin presque !» Xerxes effectua une passe d'armes, cherchant à désarmer son frère, mais celui-ci, poussé par la force de l'instinct et de la mémoire musculaire, évita la botte, et se recula à bonne distance. Il fixait son frère dans les yeux en soufflant dans une rage palpable, ses muscles tendus au point d'en faire ressortir le relief de ses veines sous sa peau. Artaxerxes décapita le seigneur Nécron, qui s'écroula sur le sol dans une décharge d'énergie verdâtre. Le Space Marine soufflait, tendu, son armure endommagée peinant à lui administrer le cocktail chimique censé lui permettre de retrouver son souffle rapidement. Les troupes mécaniques, à l'apparence de morts-vivants, commencèrent à se désagréger autour d'eux, tandis que l'Alpha Légion prenait l'avantage. Artaxerxes se tourna alors vers son frère, étendu sur le sol, immobile. « Arrête de faire semblant, Xerxes, je sais très bien que tu es réveillé. » Le Space Marine au sol attrapa la main que lui tendait son frère et se releva en se débarrassant de la poussière et des débris qui le recouvraient. Désolé, t'avais l'air de t'amuser et je voulais pas te couper dans ton élan. Arta observa son arme fracturée. La lame acheva de se disloquer, tombant en miettes, et il en jeta le pommeau inutile à côté du cadavre de son adversaire tenace. Tu aurais pu le vaincre aussi, tu aurais dû éviter cette attaque. Wow, me confonds pas avec toi. Déjà, je suis bien plus séduisant et en plus, je suis pas capable de la moitié de ce que tu fais. Tu as réussi l'épreuve à l'époque, alors que moi, j'ai échoué. Cela aurait dû être Dorès ici, à ma place. Encore cette histoire, t'es là, c'est le résultat qui compte, non? Quand ce varan de pierre m'a attaqué, il s'est interposé. Il n'avait pas de raison de le faire. S'il m'avait laissé me faire tuer, il aurait eu l'occasion de tuer la bête et de réussir l'épreuve. Il serait un Astartes aujourd'hui, et moi je serais mort. Je pense qu'il savait. Quoi? Que tu ferais un meilleur Astartes que lui. Odorès était fort, mais il a toujours rechigné à utiliser la violence. Le regard d'Artaxerxes se plongea dans ses souvenirs, fort lointains, datant d'une autre époque, d'un autre monde. Des souvenirs si profondément perdus dans les éons qu'ils en paraissaient appartenir à une autre personne. Les voyous étaient étendus en bonne part sur le sol, devant un Artaxerxes plus jeune qu'eux, couvert de blessures, mais affichant pourtant une attitude de défi à leur égard. L'un des délinquants sortit alors une lame de sa tunique de toile, exprimant un sourire sadique quand ses camarades saisirent Artaxerxes pour l'immobiliser. La lame fila et le sang gicla en tachant le sol sous le regard estomaqué du jeune garçon. L'ombre imposante d'Odorès s'était interposée entre lui et l'arme, et son torse musculeux laissait paraître la profonde entaille provoquée par l'attaque. Le jeune voyou surpris recula d'étonnement avant de pousser un cri et de frapper à nouveau vers le visage du protecteur immobile. Une nouvelle traînée de liquide écarlate frappa le sol depuis la longue plaie qui barra l'espace entre les deux yeux du géant stoïque, qui fixait son agresseur sans haine ni ressentiment. Celui-ci fit un pas en arrière, hésitant, puis un autre, avant de lâcher son arme et de s'enfuir en criant, rapidement rejoint par ses sbires. Arta resta sans voix, assis sur le sol, après avoir été relâché par ses agresseurs. « Pourquoi tu ne t'es pas défendu? T'es le plus fort du village, t'aurais pu les battre. » »« Pourquoi sommes-nous forts, Artaxerxes ?» Le garçon ne répondit pas, ne sachant quoi opposer à cette question sortie de nulle part. « Tu es puissant, Artaxerxes, mais tu gaspilles cette puissance sans but, sans savoir quoi en faire. »« C'est eux qui m'ont attaqué, j'ai fait que leur rendre l'appareil. » »« Comme ils te l'ont rendu avant, et comme tu leur avais déjà rendu encore avant. Qui donc a raison, alors? Qui donc est le plus fort ?»« C'est celui qui gagne, c'est ça être fort. » »« Il est facile de frapper quand on possède ta puissance, Artaxerxes, mais cette puissance ne te rend pas plus fort. Tu dois apprendre pourquoi les dieux t'ont offert ces points, et alors tu sauras. » L'homme défit son écharpe avant de la poser sur le front du garçon et de le débarbouiller. Puis, avec une grande délicatesse, il enroula l'étoffe autour de son cou, avant de poser ses mains sur ses épaules. « Tu sauras qu'être fort, ce n'est pas un moyen. C'est un devoir. » Recula tout en arrosant de projectiles à plasma la masse d'orques qui se ruait sur lui. Il n'avait pas eu de nouvelles de sa demande de renfort, et les seuls qui arrivaient faisaient grossir les rangs des peaux vertes, qui affluaient de toutes les directions. Il n'eut cependant pas le luxe de réfléchir à la situation critique de sa planète, car la masse intimidante du chef des envahisseurs venait de se tourner vers lui, avec une expression équivoque de colère. « Bougez-vous, bande de nazes! C'te bleu est la meilleure baston! Il est pour moi !» Harlock balayait d'un revers de son gigantesque bras une paire de boys qui lui bloquaient le passage, et il se rua vers Odahu en beuglant sa hargne sans retenue, dans une explosion de postillons. Engagé avec d'autres ennemis, le commandeur Tau n'eut alors pas d'occasion de battre en retraite quand le monstre le chargea. Xénophon retira son couteau de combat du crâne d'un orque, tout en observant la scène. Son armure était couverte du sang sombre de ses adversaires, qui s'entassaient de plus en plus autour de la petite poche de Space Marine. « Il faut aller l'aider. Vous avez pris un coup, lieutenant ? J'ai cru vous entendre dire que vous vouliez aider ce Xénos. S'il se fait tuer, les orques ne verront plus les taux comme une menace, et ils reporteront leur attention sur nous. » Parce que c'était pas déjà le cas. L'Astartes tira son dernier bolt dans la poitrine d'un assaillant qui fut projeté en arrière par l'impact, avant de sortir un chargeur d'une de ses sacoches et de l'enclencher dans son arme. Xénophon l'imita, vérifiant lui aussi ses munitions, avant d'armer son bolteur. Craig tira un troisième laser qui mit enfin un terme à l'assaut de la créature simiesque qui s'écroula devant lui, immobile. Les orques étaient incroyablement résistants et nécessitaient l'utilisation systématique de la charge maximale de son arme pour espérer les blesser. Le problème, c'est qu'à ce rythme, il craignait la surchauffe prochaine de son chargeur. « On peut pas continuer comme ça, on doit trouver un véhicule pour sortir de la ville et rejoindre le Warhawk. » « Est-ce que tu connais sa position ?»« Oui, mais en l'état, ça va être compliqué de l'atteindre avec tous ces orques et ces taux qui grouillent autour. » « Nous sommes avec des taux, les chasses nous traiteront comme des auxiliaires s'ils les voient, et ils ne feront rien contre nous. En tout cas, tant que vous les attaquerez pas. » »« C'est bon à savoir, mais ça règle pas le problème du transport. » Il y eut alors une explosion non loin, et la silhouette élancée d'un char Hammerhead fit gronder son canon, dont la munition électromagnétique vint percuter un véhicule orque brinque-ballant, qui exposa dans une pluie de débris. Craig se tourna alors vers Chova et Talissera. « Vous savez conduire ce truc ?» L'expression de Xerxes s'assombrissait à mesure qu'il constatait que ses mots n'atteignaient pas son frère, et il avait de plus en plus de mal à maintenir le statu quo dans son affrontement avec lui. De fait, il était déjà difficile pour lui d'égaliser le talent d'Artaxerxes, mais cela s'avérait encore plus éprouvant en essayant de ne pas le blesser. « Arta, je t'en supplie, réveille-toi, tu peux pas me laisser encore une fois, pas maintenant que je t'ai retrouvé. » L'arme improvisée d'Artaxerxes passa au travers de sa garde, et il en esquiva le bout acéré au dernier moment, laissant celui-ci déchirer la chair de sa joue de manière superficielle. Xerxes recula alors, en frappant de sa botte le thorax de son frère pour remettre une distance entre eux. « Je suis perdu, je sais pas quoi faire quand t'es pas là, j'ai besoin de toi pour me canaliser, pour me réprimander quand je fais des conneries. Je t'en prie, reviens Arta. » Artaxerxes poussa un grognement avant de se jeter en avant comme une bête sauvage, ce qui confirma les craintes de Xerxes. Les Space Marines avaient subi d'énormes transformations physiologiques pour en faire des guerriers surhumains, et leur biologie était un cocktail explosif d'hormones et de substances chimiques en équilibre instable, Il avait déjà entendu parler de ce phénomène. C'était commun parmi les Astartes confinés dans le sarcophage d'Andrenhaus, qui, soumis au stress de leur enfermement, développaient une folie meurtrière, obligeant la plupart des légions à les mettre en sommeil la majeure partie du temps, afin de ralentir la perdition du Space Marine. Il y avait aussi des histoires d'anciens Astartes durant les guerres de l'unification, qui développaient des symptômes similaires de leur vivant, du fait de la plus grande instabilité de leur métabolisme comparé à ceux des Space Marines plus récents. Et il y avait bien sûr nombre d'exemples parmi les légions actuelles, comme chez les World Eaters ou les Blood Angels, bien que les causes de ces rages meurtrières soient encore plus obscures pour ces derniers. Une chose était sûre, il ne connaissait pas de cas d'Astartes étant revenu de cette folie provoquée par l'instabilité de son génome modifié. Pas toi, pas comme ça. Un nouveau coup potentiellement mortel frappa, et Xerxes n'eut d'autre choix que de parer en activant le générateur de son arme énergétique. La lame trancha le bout de métal comme du beurre, laissant le monstre avec un moignon d'armes en fusion, et Xerxes recula encore, plaçant son épée entre lui et son frère. Malheureusement, Xerxes savait que cela ne l'intimiderait pas longtemps, et malgré sa folie, il pouvait voir à ses yeux qu'il traquait la moindre faiblesse dans sa garde pour lui sauter à la gorge. Arta était ainsi, c'était un compétiteur, et même dans cet état, il refusait toujours la défaite. Une partie de sa personnalité qui était ici déformée et accentuée dans la chose qu'il était devenu. Xerxes grimaça quand il vit son frère se préparer à charger. « Arrête, ne fais pas ça. Je ne pourrai pas retenir mon coup si tu m'attaques dans cette posture. » Artaxerxes montra les dents, une bave opaque coulant de ses babines tandis que ses muscles se comprimaient en prévision de l'effort à venir. Une larme coula sous l'un des yeux de Xerxes. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré? Il ne s'en souvenait pas, et ce fait incongru, presque étranger à sa physiologie, lui arracha une grimace de douleur quand son frère se rua vers lui. Tout se passa comme suspendu dans un temps alternatif. La salive d'Artaxerxes semblait figée dans l'air, tandis qu'un sang vif remplaçait cette dernière. Xerxes eut, l'espace d'un instant, l'impression de voir un sourire fugace se dessiner sur le visage de son frère jumeau, quand la lame parcourue d'éclairs se ficha dans son abdomen. Le corps, stoppé dans son élan, tomba à genoux, soutenu dans les bras de son meurtrier qui serra les dents avant de laisser couler plus de larmes. Xerxes était dans un état de déni, d'incompréhension et de refus de la réalité. Sa main se posa sur la joue de celui qui partageait son visage, et le regard, jusque-là empli de folie d'Artaxerxes, se posa sur le morceau d'étoffe qui enserrait l'avant-bras de son frère. Il attrapa le bout de tissu de ses faibles forces restantes, avant de tousser une gerbe de sang dans un effort difficile pour inspirer de l'air dans ses poumons détruits. « Odorès !» Xerxes cligna des yeux, de stupeur, ne s'attendant pas à entendre ce nom dans la bouche d'Artaxerxes à ce moment précis. La poigne de ce dernier se serra un peu plus sur l'écharpe, avec une vigueur empreinte de désespoir et de regret. « Je ne sais toujours pas. Pourquoi ?» Le sergent tenait son jumeau dans ses bras, muet, écoutant les derniers mots de son frère sans pouvoir retenir le flot de larmes qui coulait de son visage jusqu'à tomber sur celui du mourant. « Mais je sais, pour mon frère, il est fort. C'est pour ça que je... » La lueur dans le regard d'Artaxerxes s'éteignit en même temps que ses muscles se détendirent, et la scène eut alors pour seul son que les pleurs, couvert par le vacarme des chutes d'eau alentours. L'orque s'écroula sous les tirs de Craig, mais il ne vit pas celui qui jaillissait depuis un angle mort. Ce fut le cri de Maria qui le fit se retourner, juste à temps pour voir la créature exploser suite à l'impact psychique de Linda. Les viscères du xéno s'éclaboussèrent Maria, qui tomba à genoux dans un gémissement mélangé de dégoût et de surprise. L'auxiliaire n'eut cependant pas le temps de maudire les entrailles qui la recouvraient, car elle fut poussée à se relever par Tal et Chova qui se tournèrent alors vers Craig, tandis que ce dernier se positionnait à distance d'observation du Hammerhead. « Comment comptez-vous récupérer ce char ?» « On va leur demander gentiment. » Le véhicule lourd avait cessé de tirer, et l'endroit jouissait d'un calme relatif, tandis que les épaves et les cadavres d'orques jonchaient le sol de la large rue. Le guerrier de feu aux commandes scrutait ses écrans en quête d'une menace, mais la zone semblait avoir été nettoyée, et il se rasséréna, quand soudain il vit apparaître un petit groupe de civils, agitant les bras dans sa direction. « Qu'est-ce qu'ils font là? Les civils sont censés avoir été évacués à l'arrière des lignes, va voir ce qui se passe !» Son acolyte hocha de la tête avant d'ouvrir les coutilles du Hammerhead et d'invectiver les deux taux accompagnés de deux femelles Gue'la. « Ne restez pas là, c'est dangereux, vous êtes dans une zone de combat !» Il fit quelques signes de la main pour indiquer une direction au groupe, puis sa vision se troubla quand il sentit un choc violent derrière sa nuque. Le corps inerte fut tiré hors du char et remplacé par Craig, qui braqua son pistolet sur le Shas'o aux commandes. « Vous nous déposez ?» Harlock poussa un grognement violent quand son kikoop s'abattit sur Odahu. Ce dernier esquiva avant de tirer à bout portant avec son canon à impulsion, et plusieurs projectiles firent mouche, mais cela ne fit même pas broncher l'orque géant qui ignora simplement les brûlures en continuant ses assauts et en poussant un rire tonitruant. Le Gretchen, en équilibre instable sur son épaule, beugla alors tout en essayant de ne pas chuter suite aux ruades incessantes de sa monture improvisée. « Captain, il y en a un autre qui veut des baffes !» L'alerte fut confirmée par l'explosion d'un bolt qui arracha un morceau de l'épaulière rudimentaire d'Harlock, tout en faisant tomber le gros hagard au milieu des débris alentours dans un couinement plaintif. Harlock se retourna et invectiva le Space Marine avec une expression de déplaisir évident. « Hé toi, je t'ai dit d'attendre ton tour, je suis occupé là !» Le Big Boss attrapa alors un flingue orc au sol avant d'arroser Xénophon de projectiles dans un vacarme assourdissant. Heureusement, la précision du monstre était à la limite de la définition de ce terme, et aucun tir ne toucha sa cible qui effectua une charge sous le déluge de feu. La lame de son couteau de combat fendit l'air, déviant le canon de l'orque avant de revenir à l'assaut et de viser son visage simiesque. Le géant vert esquiva avec une improbable agilité, avant de balayer l'espace devant lui de son kikoop sans pour autant atteindre sa cible. Il perdit alors l'équilibre quand il sentit une salve d'impact lui lacérer le dos, au moment où Odahu avait profité de son inattention pour attaquer. Espèce de... Toi, viens par là! Harlock attrapa un boys par le crâne avant de le lancer à l'encontre du commandeur Tau comme un projectile. D'abord surpris, l'orque agrippa la carlingue de l'exo-armure et s'attela à la rouée de coups de kikoop, tandis qu'elle se débattait pour libérer son champ de vision obstrué. Harlock poussa un ricanement moqueur, puis retourna son attention vers Xénophon. « Vous êtes pas chiés, vous les Space Marines, mais au moins aimez la baston comme nous. Allez, viens qu'on se tape, je vais te montrer la puissance de mon chapeau. » L'Astartes essuya alors un assaut violent de l'orque qui le noya sous une pluie de coups, tous plus puissants les uns que les autres. Le monstre vert ne laissait aucune ouverture, et il était clair que sous ses apparences primitives se cachait une véritable expertise du combat, une expertise sauvage et brutale. Dans un acte manqué, le kikoop broya la carcasse inerte d'une Crisis au sol, et Xénophon profita de l'occasion pour passer sous la longe de son adversaire. Il planta alors sa lame dans un des nombreux points faibles de l'armure du Big Boss, faisant gicler un sang noir et sirupeux de la plaie. L'orque beugla, mais plus du fait de la surprise que de la douleur, et il tenta d'attraper son agresseur de sa main libre. Xénophon fit un pas de côté, évitant de justesse la large paume du monstre, puis il sentit un contact sur la surface réactive de son armure énergétique. Il n'eut malheureusement pas le temps d'y répondre, car la silhouette chétive d'un Gretchen l'escalada à toute vitesse, pour venir enlacer son casque et lui boucher la vue dans un déluge de piaillements et d'insultes. Le choc qui suivit fut terrible, et Xénophon se sentit s'envoler avec son petit passager clandestin, quand le kikoop massif l'impacta de toute sa force, fracturant ses os et la céramique de son armure avec une même facilité. Il percuta avec violence la paroi du canyon qui se fissura à l'impact, le laissant tomber inerte sur le sol dur au milieu des alarmes de son armure énergétique gravement endommagée. Snapgit, qui avait miraculeusement survécu à cette cascade, constata que le Space Marine sous ses pieds ne bougeait plus. Et après s'être assuré de ce fait, en lui assénant une paire de coups de pied, il entreprit de lui grimper dessus pour entamer une danse de la victoire à la fois vulgaire et insultante pour l'Astartes vaincue. Harlock arracha le petit couteau planté dans son flanc et le jeta sans cérémonie au sol, avant de fixer le corps immobile de son adversaire ayant atterri à une vingtaine de mètres de lui. Snapgit s'arracha un morceau de l'armure endommagée du Space Marine et accourut vers son boss avec fierté en secouant son trophée au-dessus de sa tête. Il s'arrêta alors à mi-parcours quand il remarqua une ombre grandissante autour de lui. Il leva la tête vers le ciel, de curiosité, juste pour laisser ses rétines brûler dans l'éclat des rétrofusées du drop-pod qui l'écrasa une seconde plus tard. Les rivets de sécurité sautèrent dans un chantement de vapeur quand le module s'ouvrit, laissant sortir une escouade d'Astartes qui entreprirent immédiatement d'ouvrir le feu sur les orques. Ils furent rapidement accompagnés d'autres modules et de Warhawk qui apportèrent un soutien aérien à la bataille. Odahu acheva alors le boss qu'il avait entravé jusque-là, constatant avec surprise le revirement de situation. Il ne restait que quelques exo-armures de sa propre force de combat qui avait survécu à l'affrontement avec les peaux vertes, et celles-ci se regroupèrent autour de lui quand les renforts de l'Alpha Légion se déployèrent, en massacrant tout ce qui ressemblait vaguement à un gorille vert. Harlock, pour sa part, avait vu sa respiration s'accélérer, et une veine se forma sur sa tempe, tandis que la colère bouillonnait en lui à la vue de ses boys se faisant éliminer méthodiquement. « Non, c'est pas comme ça que ça se passe! C'est les orques les plus forts !» Il abattit son kick-coupe sur un légionnaire qui se ruait sur lui, puis sur un autre, massacrant quiconque l'approchait et accentuant sa colère à chaque mort qu'il faisait. Il beugla alors à l'attention de ses troupes en pleine débâcle. « Continuez la baston, bande de mules! J'ai mon chapeau d'or, on peut pas perdre !» Mais son cri de ralliement se perdit dans le fracas des tirs de bolteurs et dans le vacarme de la débandade des orques. Il poussa un hurlement de rage avant de charger au milieu de la mêlée. Mais il stoppa son mouvement presque instantanément quand un individu se sépara de la masse compacte pour se positionner devant lui. Le nouveau venu portait une longue cape noire ornementée d'un monstre tricéphale décharné. Son casque baroque était surmonté d'un cimier jaune et noir et il brandissait une paire d'épées finement ouvragées. L'une d'elles en particulier attira l'attention du peau verte de par la vibration douce qu'elle produisait et de par l'aura de maîtrise qui se dégageait du Space Marine qui la portait. Ce fut cette posture, calme et menaçante à la fois, qui achevèrent d'enrager l'orque. « T'es qui toi alors, boss? Je vais te craser comme les autres !» Darius ne répondit pas, se mettant simplement en garde, et le Big Boss fondit sur lui en vociférant son cri de guerre primitif. L'échange fut bref et brutal. Un premier coup frappa dans le vide, le suivant dévia le large kick-coupe de l'orque, et le dernier fendit l'air, en même temps que le crâne du monstre roulait sur le sol dans une giclure de sang épais. La botte de Darius s'écrasa alors sur le chapeau massif du Big Boss que le vent avait amené jusqu'à ses pieds, le tout dans une indifférence symbolique à l'ironie cocasse. Le char Hammerhead fondit au travers des rues de Quickstrike en direction des abords de la ville. Mais plus il s'enfonçait en avant et plus la densité d'orques était importante. Chova faisait de son mieux pour piloter le véhicule de combat antigrave, mais il était clair qu'il n'en maîtrisait que les rudiments. Quant à Craig, avec l'aide de Talissera, il s'attelait à utiliser au mieux l'arsenal du tank pour dégager le passage devant eux. Il y eut alors une gigantesque machine orque qui déboula depuis une rue pour leur bloquer la route. L'engin ressemblait vaguement à un dreadnought muni de deux paires de bras terminés d'immenses scies sauteuses. Et le Hammerhead, lancé à pleine vitesse, percuta le géant d'acier qui ne s'offusqua même pas de l'impact, et n'eut pour toute réaction que la volonté simple et brutale d'abattre ses membres tronçonneurs sur la carcasse du véhicule tôt. « Le char est endommagé, je ne peux plus reculer ! Il faut abattre ce truc !» Au milieu de la mêlée, Craig tenta, autant que faire se peut, d'ajuster le canon du railgun vers le monstre. Mais ses espoirs furent anéantis, quand d'un revers de sa scie sauteuse géante, celui-ci trancha l'arme en deux dans une explosion d'étincelles et de métal déchiqueté. La boîte qui tue reprit alors sa tâche de désossage méthodique du Hammerhead, sous les cris paniqués de ses occupants. Elle se stoppa instantanément quand une traînée blanche fusa depuis les airs pour venir frapper sa carlingue bosselée, qui explosa dans un déluge de plaques et de métal rouillé avant que les restes de sa carcasse ne s'écroulent en arrière, inerte. La chute fut suivie par une chaîne d'explosions aussi proche que lointaine qui étonnèrent les occupants du Hammerhead en miettes. Qu'est-ce que c'était que ça? Craig se hâta d'ouvrir les coutilles défoncées de l'épave, et après quelques difficultés à atteindre cet objectif, il parvint enfin à poindre le crâne à l'air libre pour fixer le ciel de Quickstrike. Celui-ci était obscurci par la forme colossale de l'Epsilon, d'où jaillissaient des dizaines de tirs, de modules d'atterrissage et de Warhawk. Contre toute attente, la 13e compagnie avait choisi de mettre l'ensemble de ses forces dans cette bataille. Linda pointa la tête hors du tank pour se positionner à côté de son mari, sans cacher son incompréhension. « Pourquoi le capitaine Darius a-t-il pris ce risque? La Légion n'a rien à gagner dans cet affrontement. » Craig garda le silence. Il quitta l'épave sans quitter le spectacle des yeux, son regard fixé sur les autres silhouettes plus exotiques qui entouraient la barge de bataille. Ces dernières apportaient leur part de soutien dans les combats en cours. Des vaisseaux tôt, mais arborant des héraldiques et des couleurs différentes de celles de Bork'an. Chova, Maria et Talissera le rejoignirent, eux aussi estomaqués par ce qu'ils voyaient. La scientifique tout écarquilla alors les yeux de surprise. « Mais c'est le Kor'vattra de Fal'shia, qu'est-ce qu'ils font là ?» Craig tourna alors son regard vers les Xénos sans comprendre, et Chova explicita le propos de son ami. « Par les sept, on nous a envoyé une flotte en renfort. Je ne sais pas comment ils ont su, mais nous sommes sauvés. » Le son des affrontements se faisait plus sporadique dans le lointain. L'avantage avait clairement changé de camp dès l'instant où la flotte de Fal'shia et l'Epsilon avaient rejoint la bataille, et les orques étaient traqués et éliminés méthodiquement par les taux, surtout Bork'an. Craig était assis sur la carcasse brisée du Hammerhead, tandis que Linda, pour sa part, était occupée dans une conversation comme Vox avec le commandement de la 13e compagnie. L'agent observait les ruines alentours, pensif, quand il fut rejoint par Chova. « Vous semblez méditatif. Ouais, c'est pas vraiment la norme chez moi. Je peux peut-être vous prêter l'oreille, ce serait la moindre des choses après tout ce que vous avez fait pour nous. » Craig hésita, réfléchissant à la question, essayant de mettre des mots sur ses doutes. Maintenant que le stress de l'action était passé, il pouvait penser à ce qui était arrivé dans les égouts de Quickstrike, à ce qu'était devenu Artaxerxes, à son inquiétude pour son sergent, à sa position dans tout cela. Il observa alors Linda à bonne distance, sans vraiment entendre ce qui se racontait dans son échange radio. « Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous aviez fait les bons choix ?»« Tout le temps, me questionner c'est mon travail. »« Non, je veux dire, à titre personnel, en tant qu'individu. » Chova resta silencieux, comprenant que la question était plus rhétorique qu'autre chose. Il laissa alors Craig expliciter ce qu'il avait sur le cœur. « J'ai un enfant, vous savez, il s'appelle Artaxerxes. » « Comme ce Gue'ron'sha ?»« Oui, c'était un hommage. Nous le pensions mort et nous avions fait notre deuil. Enfin, pas tous. Le voir dans cet état, c'était difficile pour lui. »« Je comprends, mais quel rapport avec vous ?»« Le sergent Xerxes a été le plus affecté d'entre nous. Ils étaient frères, vous savez. Et je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?»« De vous battre ? Vous connaissez mon opinion sur la question. Nous en avons déjà discuté. » « Je sais, vous ne voyez pas la menace, il n'empêche que cette cause a de la valeur à mes yeux. Mais récemment, depuis la naissance de mon fils en fait, j'ai l'impression que ma détermination faiblit. Je suis pris de pensées égoïstes. »« En somme, vous pensez que la guerre n'est pas un environnement pour élever un enfant. J'y vois plus de la logique que de l'égoïsme. » Craig croisa les mains devant sa bouche et fronça les sourcils sans quitter Linda des yeux. Il était soucieux, il ne savait pas quoi penser de tout cela. Et en vérité, est-ce que la Légion le laisserait faire un choix de toute manière? Le tatouage d'hydre imprimé sur sa clavicule ne laissait que peu de doute sur ses obligations. « Ma famille possède un lopin de terre dans les plaines méridionales. Il n'est plus exploité depuis la mort de mes parents, alors si vous le désirez... » La conversation fut coupée par l'arrivée de Linda qui interrompit Chova. « Il semblerait que le sergent Xerxes a été récupéré. » Craig ne répondit rien, mais son regard laissa transparaître le fond de sa question aussi clairement que s'il l'avait énoncé à haute voix. Linda se contenta de secouer la tête avec gravité, et le visage de Craig fut teinté d'un peu plus d'amertume. « Le corps a été rapatrié sur l'Epsilon, et les taux ont accepté à contre-cœur de rendre l'armure du sergent. Ils garderont cependant les dépouilles des Red Scorpions. Le capitaine achève à ce sujet les pourparlers avec Bork'an, mais ce n'est pas de tout repos. Surtout que le lieutenant Xénophon est dans un état critique et qu'il a été pris en charge par les taux, ce qui pèse aussi dans la balance. » Les pensées de Craig continuaient de fuser. Tout cela n'avait été en finalité que pour le récupérer, lui, un simple humain. Est-ce qu'il pouvait vraiment penser à quitter le combat, malgré tous les sacrifices consentis par la Légion en son nom? Il ne savait le dire, et cette indécision pesait sur lui, autant que le simple fait de se poser cette question. « Linda, est-ce qu'on peut parler un instant ?» L'ensemble des Astartes de la 13e compagnie était présent devant le bûcher funéraire, ainsi qu'une délégation de quelques taux, dont Chova, Talissera et quelques officiers de la caste du feu, qui, par leur présence, actaient de la trêve entre la Légion et Bork'an. Les pertes durant cette opération avaient été minimes pour l'Alpha Légion, Mais malgré les tensions palpables avec Bork'an suite à leur attaque, qui avait causé plusieurs morts dans les rantos, un cessez-le-feu avait finalement été prononcé. En grande partie grâce au soutien diplomatique de la flotte de Fal'shia, qui avait reçu le message de détresse de Odahu capté et relayé par les Space Marines, peu avant la coupure des communications. Une aide inopportune qui avait amplement joué en la faveur de l'Alpha Légion dans les pourparlers. Xerxes était assis, observant le corps allongé de son frère, revêtu de son armure complète, tandis que le brasier l'enveloppait, se reflétant dans ses yeux alors que l'obscurité tombait. Il fut le dernier à rester devant le bûcher aux flammes mourantes, mais finit par être rejoint par Xénophon. L'armure de ce dernier était dans un état particulièrement avancé de dégradation, et sa démarche indiquait clairement qu'il n'était pas tout à fait remis de ses blessures, malgré les soins apportés par l'étau. « Il est l'heure, Xerxes, nous allons partir. »« J'aimerais rester encore un peu. »« Les relations avec l'étau ne sont pas vraiment au beau fixe, tu sais. Ils tolèrent notre présence pour le moment, mais plus tôt nous serons partis et mieux ce sera. » Seul un mutisme grave parvint à Xénophon de la part de son interlocuteur morose. L'Astarté soupira alors avant de s'asseoir à ses côtés. « Tu as fait ce qu'il fallait. Il valait mieux que ce soit toi plutôt qu'un autre. »« J'ai ôté la vie à mon propre frère. » Ce n'était que son corps, son esprit était déjà mort depuis longtemps. Et en vérité, ne le sommes-nous pas tous un peu aussi? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, de subir tous ces sacrifices? Est-ce que nous pouvons vraiment nous permettre de nous poser cette question? Xerxes ne répondit pas. Il se leva pour s'approcher des restes du brasier, avant de saisir le casque calciné d'Artaxerxes. Il le tint simplement à deux mains, avant d'en fixer les lentilles éteintes, immobiles. Un jour, Arta m'a dit qu'il ne cherchait pas à être fort pour la Légion. Il ne m'a jamais dit pourquoi il faisait tous ces sacrifices. J'ai toujours admiré mon frère pour sa force, mais je ne l'ai jamais compris. Xénophon resta à son tour silencieux, immobile dans la nuit tombante, tandis que les bruits nocturnes commençaient à remplir l'air sec de Bork'an. La passerelle d'accès du Warhawk était déployée, tandis que les derniers Astartes s'embarquaient en vue de quitter la planète. Le vent soufflait en gonflant la cape de Darius, qui lança un regard grave depuis la passerelle à l'assemblée hétéroclite qui se trouvait un peu plus bas. Un regroupement de Xénophon, Xerxes, Craig et Linda qui tenaient son bébé dans ses bras, ainsi que des taux et de l'humaine qui avaient participé au sauvetage. Xénophon se détourna le premier des autres, et avec une tape sur l'épaule de Xerxes, il enjoignit ce dernier à le suivre, ce qu'il fit sans se faire prier. Il stoppa cependant sa marche à mi-chemin pour se tourner vers Craig et Linda qui continuaient leur discussion avec l'étau. « C'est l'heure, on y va !» Les deux agents ne bougèrent pas, et Xerxes exprima une mine confuse teintée de surprise quand Darius intervint. « Ils ne viennent pas. »« Quoi, comment ça ils viennent pas ?» Linda posa sa main sur l'épaule de Craig en hochant de la tête, comme pour lui donner du courage, et celui-ci soupira avant de se diriger vers le géant plongé dans l'incompréhension. « Je suis désolé, sergent, nous ne repartons pas avec vous. »« Mais on m'a pas parlé de cette mission, qu'est-ce qu'il te reste à faire ici ?»« Ce n'est pas une mission, sergent, nous ne reviendrons pas. » Xerxes esquissa un sourire d'incrédulité en cherchant une explication du côté de Xénophon et Darius. Comme s'il venait d'entendre une bonne blague, mais qu'il ne la comprenait qu'à moitié. Craig posa sa main sur l'avant-bras de l'Astartes pour le ramener à lui. La scène était étrange compte tenu de la différence de taille entre les deux hommes, et l'humain n'eut pas la force d'ajouter des mots à son geste d'apaisement. Darius observa la scène quelques instants, puis il ferma les yeux en réprimant toute émotion, avant de tourner les talons sans un mot, disparaissant dans le Warhawk. Il fut suivi par Xénophon qui stoppa sa marche dans l'embrasure pour se tourner vers Xerxes. Celui-ci semblait figé, tel une statue de chair et d'acier. Quand enfin il bougea, il le fit avec hésitation, en baissant le regard dans une expression profonde de tristesse, avant de rejoindre la navette sans se retourner. Craig frappa la terre encore une fois avec sa bêche, essuyant la sueur et la poussière de son front d'un mouvement ample de son avant-bras. Son haut de toit laissait voir l'hydre symbolique qui le rattachait à cette légion qui, à sa grande surprise, avait accepté de lui rendre sa liberté. Le capitaine Darius n'avait en vérité émis aucune opposition à sa demande. À peine avait-il questionné Craig et Linda sur leur détermination à ce sujet, avant de leur accorder sa bénédiction. Il avait de fait accepté l'offre de Chova, et à présent il occupait chacune de ses journées à remettre à neuf cette parcelle agricole abandonnée avec l'aide de Linda, et celle plus ponctuelle de Maria et de ses deux amiteaux. Mais ce n'était pas de tout repos, et la terre de Bork'an était relativement ingrate et difficile à travailler. Il souffla de fatigue avant de se laisser choir sur son séant, désireux de faire une pause sous le puissant soleil du début de l'après-midi. Il ferma les yeux, laissant sa peau se réchauffer sous les rayons solaires, quand il sentit une ombre se poser sur lui, suivie d'un coup de bêche dans la terre. Il rouvrit alors les yeux de surprise, et fut accueilli par ce rire enjoué qu'il n'aurait jamais cru réentendre un jour. « Allez debout, cette mission n'est pas terminée.